Oui, maman. Merci beaucoup. De rien, maman. J'ai fini. J'ai okay. rempli tous les récipients. Oh, vraiment Oui, maman. Merci. Merci, ma fille. Oh. Maman, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à me remercier. D'accord. Je vais arrêter de te remercier, mais merci. D'accord, maman. <laughs> Allez, tu peux prendre ça. Ah, non, maman. Maman, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je fais ces services parce que je t'aime de tout mon cœur. Je sais, mais je Prends. Hey, non, maman, je ne peux pas prendre cet argent. Ma mère ne sera pas aussi d'accord avec moi pour ça. Kira, non, je maman. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi. Allez, prends, s'il te plaît. Je t'en prie. Ah, maman, je prends juste cet argent parce que je ne peux pas du tout te désobéir. Je sais. Merci. Prends. Merci, maman. Je t'en prie. Tu sais bien que tu peux passer chez moi quand tu veux m'aider avec des petits ah travaux. Je vis ça. Moi, pour ça, il n'y a pas vraiment de problème, je te jure. Je suis contente de le faire pour toi à tout moment. Pas de problème, merci beaucoup. Hé, hey, maman, tu vas <laughs> me tuer avec des merci. <laughs> ça va. Bon. Oh. Je ne veux plus te remercier, OK? Mais merci, j'ai vraiment apprécié. Tu as encore dit merci. oh. <laughs> merci, merci, maman. Merci, beaucoup, ma fille. Merci. merci. Que Dieu te bénisse. Ah, je m'en vais déjà. D'accord. Mes salutations à ta mère. Oui maman, merci encore une tu fois. Tu vois que c'est toi qui me remercies. Ah ok ça. maman, bye bye. <laughs> Au revoir. D'accord maman. Prends soin de toi. Maman, es-tu sûr que je dois partir avec cet argent? Bien sûr. J'ai le télé les donner avec tout mon amour. Ok. Oui. Merci <laughs> maman. Tu veux que je t'en donne plus? Ah non maman, ça suffit <laughs> c'est bon. Merci <laughs> beaucoup. Au revoir. D'accord maman. Mes salutations à ta mère. D'accord <laughs> je le ferai. Bye. Merci. Mon dieu, qu'est-ce que vous avez compté cet argent? 5000 neira. Hey! Cette femme a beaucoup d'argent, oh! Pouvez-vous imaginer qu'elle m'a donné 5000 neira juste parce que j'ai posé pour elle de l'eau et j'ai nettoyé pour elle la maison? Hey. Je n'abandonnerai jamais cette famille pour n'importe quoi jamais comme je n'arrive pas à voir son fils, je vais toujours me coller à cette famille, oui oh cinq mille Ha, oh Oh mon Dieu Ces sentiments est partagés. Vous savez, mais euh, juste en regardant vos sacs, vous de même, vous venez de faire du shopping. Je savais <laughs> que ça serait possible. Je dois toujours être heureuse, tu sais. Allez, c'est bon, ça suffit. Arrête de nous chanter tes louanges. Parce que je sais que tu es l'une des filles les plus chanceuses que je connais. Mm -hmm. <rire> <rire> Ma chère amie, honnêtement, J'aurais voulu être à ta place, je le jure. Mmh. <laughs> ne souhaite pas ce que tu ne sais pas réellement. Mmh. Puisque lui qui a mis les chaussures, il est le seul à connaître là où ça fait plus mal. Mais ce sujet est en dehors de mon agenda aujourd'hui. <laughs> Comment va ton mari Il va à merveille. Mais pourquoi il n'irait pas bien Au moment où il a une ravissante. <laughs> et élégante femme à ses côtés. Ma chère, il le le bien. Tu peux encore le redire, bébé. <laughs> oh, mon Dieu. Arrêtez avec vos éloges Méfiez-vous des apparences. OK, sérieux. Quand est-ce que vous venez me rendre visite? Bien, je pense que c'est lorsque tu auras envie de voir nous deux chez toi. Vraiment, uh -huh. oui. sentez-vous à l'aise. Ce sera à votre convenance. Vous savez qu'il m'a toujours verte. J'aimerais bien avoir... Mais des folles parce que votre présence me rend très heureuse. <laughs> <laughs> Attendons un peu, depuis qu'on est là en train de parler, mais euh, j'y constate que... À gorge sèche, on ne va rien prendre ou quoi Pas de boisson aujourd'hui, les barmanes Serveur, je t'en prie, viens vite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de dépenser de l'argent. J'ai besoin de vider les comptes bancaires de mon ami ici présente. Faut-tu <laughs> imaginer? Vraiment, vraiment ma chérie. Ça fait oh, <laughs> Dépêche-toi. <laughs> T'es pas sérieuse. Balay très bien, oh. Maman, bah bon, c'est ce que je fais. Ah, uh -huh. Godia. Eh oh, Naye. Euh. Tu pars déjà? Oh oui. Je dois aller à cette euh, réunion de conseil, tu vois. Bonjour, papa. Ah, bonjour, ma fille. Comment tu vas? Ça va. Naï. Oui aussi a appelé ce matin. Ok. Euh, elle a dit qu'elle appelle ton numéro, mais ça ne passe pas. Oh vraiment du tout. Mon téléphone, il me cause du tort. Hein? Ça fait un bon bout de temps que cela me pose des sérieux problèmes. Hein? Je ne sais plus quoi faire avec ce téléphone. Non, il va réparer ton téléphone, non Ou tu peux appeler aussitôt de t'acheter un autre. Euh, 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 N'implique pas qu'aussi dans la réparation de mon téléphone. Ne te dérange pas, je vais le réparer. Quand j'aurai l'argent et même quand j'aurai le temps, ne l'implique pas, s'il te plaît. Papa, quest ce que tu dis toujours, hein? quelqu'un je dirais à cause dès qu'elle viendra. Je sais que tu as toujours réfléchi de ta manière et je ne peux pas t'en empêcher. Euh, Vas-y et fais ce que tu veux faire. Mais, tu vois, je ne peux pas m'y échapper. Comment peux-tu échapper à ça lorsque tu es toujours résistant aux choses utiles? Ah, ah. Tu sais, si je commence à discuter avec toi du matin jusqu'au soir, nous n'allons pas arrêter. Alors laisse-moi m'en aller. Je pense que tu as gagné. Va bien. Au revoir, papa. C'est bon. Je sais que tu es madame gagnante et tu aimes gagner à tout moment. <laughs> tu gagnes alors. Bye bye, Ona. Papa, prends soin de toi. Biaco. eh, Prudente. Maman. Même lorsque j'appelle le nom de ta soeur, tu dois toujours accepter. C'est ma soeur. C'est quoi? Biko. Laisse d'abord ce que tu fais. Si tu rentres, tu vas continuer avec ça. Va chez Mama Ichoma, Hein Va me prendre... Euh, comment on appelle ça encore euh, Ekuna. Dépêche-toi. OK. Mes oh, hein? mains sont en train de me déranger. Dépêche-toi. Dépêche-toi, oh. D'accord. Tu vas continuer avec ce que tu étais en train de faire ici. Chérie, bébé, arrête. J'en ai encore envie, s'il te plaît. Hum, euh, chérie, calme-toi maintenant, s'il te plaît. Ok, la journée était vraiment fatigante. Alors, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de, de dormir, s'il te plaît. On le fera demain, <laughs> je te le promets. C'est ce que tu as toujours l'habitude de dire. T'en fais pas, on le fera demain, je te le promets. Hum. Caussi, est-ce que tu vas bien? C'est que tu as un problème. Franchement, c'est aussi ce que j'ai remarqué. C'est comme si elle n'a pas envie de parler. Ma belle, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Je veux bien. Tu vas bien, bébé. Tu peux même nous mentir, mais en tout cas pas toi-même. Je veux dire, nous sommes tes amis. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qui te dérange. Tu peux te confier à nous. Nous sommes tes amis. Je veux dire, ça c'est pas le Cosy que je connais. C'est clair qu'il y a quelque chose qui te dérange, et cette chose doit être ajustée. Raconte-nous, c'est quoi le problème? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. La situation est plus grande que moi. C'est vraiment sérieux. Peu importe la gravité de ces problèmes, tu peux toujours en parler. Je merde d'une satisfaction sexuelle. Oh. <laughs> Désolée, je ne comprends pas. Mais ton mari est là. Oui, oui. Il est vrai qu'il est là, mais je me sens tellement vide. Il n'arrive pas à me satisfaire. Là, c'est même quand je m'en plains en trip. Euh, bébé, euh, euh, pardonne-moi si je peux demander. Mais dis-moi c'est quoi la raison parce que là, la dernière fois quand j'avais checké, ton mari avait l'air sexuel très actif et il était très fort. Sérieux? ces raisons, c'est ce soit il est fatigué, après une longue journée de travail, d'arrache-pied, toutes ces choses, ce ne sont que des excuses. Je souffre pour vous dire vrai. Maintenant, je comprends. Alors, sérieusement, c'est vraiment un problème très pertinent. Ok. As-tu fait tout ce que tu pouvais Je veux dire, as-tu essayé de faire tout ce que tu pouvais juste pour les pousser encore plus loin J'ai déjà fait tout de mon possible. Mais il n'y a rien de positif. Euh, mon ami, regarde. Tu dois faire quelque chose. Ok Je veux... Tu dois les séduire. <laughs> Il ne veut pas m'écouter. Humainement, je fais tout ce que je pouvais, mais... Fais de ton mieux. Je veux dire, séduis-le. Ah. S'il ne réagit pas, prends en charge. Ah. J'ai déjà fait toutes ces choses. Mais ça ne marche pas. Si toutes deux vous ont insisté, là, je vais reprendre mes efforts. On insiste. On insiste. Eh ben, ma chérie, je, je partage ta peine. Et je suis vraiment désolée de tout ce qui t'arrive. Mais t'inquiète pas, tout ira bien. Ok euh, J'espère je, je, bien. Ok. Non, sérieusement, les gars, c'était trop bon. <laughs> <laughs> Mais je ne peux toujours pas croire. Quand est-ce que... Quand a eu lieu ce brusque changement? Quand? C'est vraiment incroyable. <laughs> Alors, comment va ta femme? Um, ma femme va très bien. Oui, très bien. Ouais. Bien, je te crois. Je sais que tu prends très bien soin d'elle. Bah ouais. Si je ne prends pas bien soin de ma femme, <laughs> dis-moi de qui vais-je prendre soin au juste? <laughs> Mais les gars, vous deux là, quand est-ce que vous allez quitter le célibat euh, Et quand allez-vous euh, quitter l'état dans lequel vous vous trouvez Tu recommences encore. Uh -huh. Bien, pour moi, je n'ai pas encore vu la femme qu'il faut. Dès que je la vois, je pense que je pourrais. Je, je ne comprends pas là. Donc, depuis tout ce temps, tu n'as jamais trouvé. Qu'est-ce que tu racontes juste Arrêtez de déranger la vie de ces filles. Ah ah Voyez-moi, mon pote. C'est pour que le corps et l'âme cohabitent. Écoute, c'est un exercice très important. C'est un exercice pour la vie. Écoute, d'ailleurs, au moment où je te parle, je ne vois aucune femme qui pourrait me garder juste pour elle. Non, 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 pas maintenant. Euh, écoute, écoute. Si tu n'es toujours pas prêt de te mettre en couple avec une de ces filles, hein, pourquoi ne pas simplement les laisser aller en paix? Laisse-les partir, oh. Hein? Juste flirt, flirt. C'est pas bien ça. C'est pas du tout bien, man. <laughs> Voyez-moi qui parle. Richard. Mm -hmm. Attends. Ça, c'est vraiment Richard. Demande-lui, oh. Donc, c'est maintenant Richard qui nous prodigue des conseils en ce qui concerne les femmes. Um, ok. Ok, fais une pause. Regarde un peu en arrière. Pense à nos jours à l'école. Qui était notre mentor Bah. En matière de femmes, oh, c'était qui oh, oh, ça, il y a vraiment très très longtemps de ça là, tu vois uh -huh. Ok, c'était il y a longtemps, plus maintenant. <laughs> hein Là, j'ai totalement changé. Donc, je vous, je vous, dis les gars, le mariage c'est très bon. Vous ne pouvez comprendre ça. Et j'aime énormément ma femme. Attends un peu là. sais tu de nous dire que tu n'as jamais trompé ta femme depuis que vous vous êtes mariés je n'ai jamais trompé ma femme et je ne compte pas le faire du tout. J'aime énormément ma femme, énormément. Que, que vais-je gagner en le faisant, dites-moi Vraiment. Je suis sérieux. Bien, j'essaie toujours de... De comprendre si c'est vrai. C'est la vérité. Vous savez, je suis content. Il a finalement trouvé une femme qui... est capable de... Te rendre humble. Non non, je t'arrête tout de suite. Nous ne parlons pas d'une simple femme là. Nous sommes en train de parler de ma femme. Et oui, elle m'a rendu humble. Mais oui, je ne qu'on vient pas. Elle m'a rendu humble et c'est exactement pourquoi je veux que vous deux là, vous puissiez aller vous marier et surtout de vous trouver des femmes qui vont vraiment vous rendre humble. Nous parlons de la même chose ici. Le mot commun c'est humble. Ah non non non. Écoute, écoute. Quand uh -huh. tu vas te marier, quand tu vas uh -huh. aimer ta femme, tu comprends ça Et c'est là que tu vas. Commencer à réfléchir comme euh, d'une manière très différente. Tu comprends ça? Et c'est ça qui va te. t'amener à devenir humble. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas que devenir humble. Il n'y a pas mm que devenir humble ou gentleman. Là au moins, mm -hmm. tu vas commencer à réfléchir plus différemment que tu ne le fais maintenant. Ok. Oh oui, je te dis vrai. Ma sœur, ça fait tellement longtemps. Ah! Idioma! Rebecca de Rebecca! <laughs> les sauveurs de toutes les femmes de ce village. Ah, Idioma! Tu me fais des compliments comme ça, j'espère que tout va bien. Tout va bien, oh ma soeur, tout va bien. Comment va ton fils Richard avec sa famille? Ils vont bien, merci. Mm -hmm. hum. Je vois bien que tu reviens du marché. Je t'ai allé m'acheter quelque chose. Oh, tu ne devais pas aller jusqu'au marché juste pour ça. J'ai ah toujours ah d'appeler ma fille au besoin. Il faut toujours appeler ma fille au cas où tu as besoin de quelque chose du genre. Une femme charmante et riche comme toi ne peut pas se donner des stress comme tu le fais. Idioma, sais-tu au moins combien tu es gentil? Oh. Ta fille a hérité cela de toi. Elle est très gentille, juste comme toi. Hey, Merci, yeah. beaucoup. Merci beaucoup. Elle vient souvent à la maison m'aider. Mmh. Oui. Moi, mmh. demain. Entre fait, merci pour l'argent que tu lui as donné la fois dernière. <laughs> c'est rien. Ta fille est très gentille. J'aurais dû lui en donner plus. Hey. Oui, c'est ça. Hey, merci, oui. hein. <laughs> Au revoir. Rebecca <laughs> Rebecca. Mais ça interchange à toute la famille. Ok. okay. okay. Hey, c'est bon. Chaï, voilà le femme qui respire. Rebecca, Rebecca. Ha! Indeo. Il n'en persiste pas pendant longtemps. Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Oh, comment m'y prendre? Ça m'effraie tellement. C'est juste pour moi. Je ne peux pas cette Je ne peux pas Où est-ce que tu m'amènes, Chérie euh, je, je veux juste te montrer un truc. Je t'ai amené quelque chose. Oh. Allez, patience, patience. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Oh, mon amour. Un. Deux. Ah, oui. Trois. Tada Joyeux anniversaire, mon cœur. Oh mon Dieu! Oh mon. Ah oh, Tiens, voilà des clés! Dieu <laughs> ah, Allez, je chérie! Ne crois pas, monsieur! <laughs> <laughs> oh mon Dieu! <laughs> je n'en reviens pas, chérie! C'est bon, c'est bon là! Allez, ah. c'est bon! Il n'y a rien de grave là-dedans! Merci oh allez c'est bon c'est bon chérie oh tu sais que je ferai n'importe quoi pour oui, toi je sais. ok si je ne le fais pas pour toi pour qui je le ferai je sais je sais chérie merci beaucoup tu me donnes tout ce dont je besoin tu accomplis tous mes désirs euh, excepté excepté quoi allez vas-y vas-y dis-le moi tu sais que je puis faire ce qui est en mon pouvoir pour le réaliser alors dis-le moi vas-y s'il te plaît Excepter quoi À l'exception de rien, je voulais juste te taquiner. <rire> <rire> Allez, la chérie. Allez, vas-y, c'est ta voiture quand même. <laughs> oh, mon dieu. Ce style est fou. Je crois que celle-ci me plaît. Je dois en acheter. Non, qu'est-ce que tu en dis Au fait, pour moi, j'aurais choisi celui-ci. Ça, c'est mieux pour moi. Seigneur, mais qui fait ces bouquins Cette personne doit sûrement être malade. Moi, je vis plus que ça. Ma chérie, où je vis, c'est l'enfer. Je te dis, alors, ça peut être des gens qui viennent chercher je ne sais qui. Alors, ne le suis pas. Euh, fait, regardons ce qu'on est en train de voir ici. Désolée, je n'en peux plus. Je dois aller voir et savoir qui est cette escervelée. Attends, ma chérie, veux-tu aller te mêler dans des choses qui n'ont même pas de sens, ma chérie C'est quoi ça Tu vas les discuter avec eux ou quoi Mets-toi là-bas, ma chérie. C'est quoi ça Viens voir cet habit. Ça, c'est vraiment oh. le meilleur de ces derniers temps. Hé, hey, ma chérie, regarde, regarde ça, bébé. T'as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu aussi? Mais. Quoi? Mon oh! Mari a acheté une vraie bagnole. <rire> <rire> oh mon dieu! <laughs> Dis-moi, jeune fille, que tu es en train de plaisanter. Ce n'est pas de la plaisanterie, tenez! Wow! Waouh! <laughs> C'est vraiment une caisse! Ton mari sait comment te surprendre. Mmh. Eh, hey, Ben? Mmh. Sérieusement? Il est plein de surprises. Je ne m'attendais même pas à ça. Oh Seigneur, Richard m'aime plus que tout dans ce monde. Oh. Je suis très certaine qu'il m'aime même plus que sa mère. Ma chérie, un Benzema. Benzema. Oh, c'est vraiment un Benz. Ma chérie, je ne devais pas autant d'années dans ces mariages, mais tu as beaucoup bénéficié. Oh. Richard est vraiment un ange pour toi. Oh, bien sûr que oui, c'est ce qu'il est. Mon mari me donne pratiquement oh. tout ce dont j'ai besoin. Il est juste exceptionnel. Euh, mais je n'ai pas encore eu complètement tout ce que je veux. Je suis une femme. Euh, je vais bien avoir mes enfants. Mes propres enfants, bien sûr. Et le fait qu'il ne me satisfait pas. Oli me rend triste. Ça suffit, ça suffit les filles. Maintenant, je ne veux pas que quelque chose vienne gâcher ta joie ou te mm -hmm. rendre triste. Mm -hmm. Rappelle-toi qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, alors c'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Ok, allez, on passe à autre chose. Je vais aller dans la chambre, mettre mes chaussures et mon sac à main. Et juste après, nous allons sortir! Bien <laughs> sûr, bébé! <laughs> Luffy, vous savez quoi? C'est les moments qu'on aille s'amuser! Ah uh ah! -huh. Uh -huh. Oui! C'est pour la célébration! <laughs> Je reviens. Ben, franchement, c'est terrible En tout cas. Comment tu trouves la marque? Mmh. Tu, tu as tapé, fun. bébé! Tu as tapé, tapé, tapé! <rire> wow! <rire> hmm. Voyez comment belle et travailleuse ma fille est devenue. Hmm? Je ne la laisserai pas commettre la même erreur que je faite en épousant son père pour finir dans cet endroit misérable. Hey, maman, hey. j'ai fini de faire la lessive. D'accord. Oui. J'espère que tu n'as pas oublié de vider de l'eau dans la machine à laver. Oh oui, je le fais. Ok. D'accord. C'est bon. Oh, c'est ça. Tiens. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup d'être venue pour m'aider. Merci aussi, maman. Hey, maman? Hmm? Je voulais demander ton programme par rapport à demain et après-demain. Et c'est pourquoi? Euh, c'est pour que je vienne encore pour euh, t'aider encore plus. Ah, Kiro. Pour le moment, tu as pratiquement tout fait. Mais tu peux toujours venir à la maison ici, c'est chez toi. Tu es libre de venir à n'importe quel moment que tu voudras, ma fille. Merci, maman. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est plutôt à moi de te remercier. <laughs> pour tout ce que tu fais pour moi. Je l'apprécie beaucoup, merci. Ah, maman, tu es la reine de merci. Ça <rire> suffit. <rire> hey, moi, je pars déjà. D'accord. C'est bon, passe mes salutations à ta mère. D'accord, maman. D'accord, bye. 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 Au revoir. Ah. quoi tu vas rester planté là toute la nuit en train de me regarder sans dire quoi que ce soit je me sens juste emportée par l'ange qui est à mes côtés oh seigneur s'il te plaît je t'en prie arrête de me flatter avec de belles paroles d'après tout c'est pas la première fois que tu me croises encore mieux c'est pas la première fois que tu cherches une aventure avec une jolie fille et voilà. Et c'est pour cette raison que je te préfère. Mm -hmm. Tu as une manière très intelligente d'aborder les sujets. Écoute, je crois fortement en nous. Oh, en nous oh, Désolé, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire hmm. Trisha, je t'aime. J'ai commencé à t'aimer dès le premier jour que je t'avais vu. Je sais que je ne suis pas le gars qui est toujours sérieux en ce qui concerne les femmes, mais euh, tu vois, je ne sais pas. Je veux du changement. Je cherche une partenaire, pas juste une amie. S'il te plaît, je te prie de me donner la chance pour que je te prouve mon amour. Oh. Tu ne t'es jamais intéressé à moi, mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Oui, je sais. Je le sais. Je sais que je ne t'ai jamais abordé, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aimais pas. Écoute, je t'ai dit que je t'ai aimé dès le premier jour que je t'avais vu. Tu as tellement cette forte personnalité qu'aucun homme ne pourra blaguer avec. Je t'ai aimé dès le premier jour que je t'avais vu. Mais. J'avais juste peur d'être trop attaché à toi. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Qu'est-ce qui te fait croire que je te ferais cela? Oh, bien, en fait, je, je pense que j'avais tort de réfléchir de la sorte, mais c'était le passé. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je ne te le ferais pas maintenant? Oh, euh, parfait! En fait, ce serait parfait maintenant parce que... Je veux que quelqu'un s'attache à moi. Je veux qu'on puisse m'attacher maintenant. Je t'en prie. Veux-tu être cette femme merveilleuse qui va me faire reprendre mes sens Parce qu'au moment où je te parle, je les ai perdus. <laughs> oh mon Dieu. Attends. Es-tu indirectement en train de me demander en mariage Parce que c'est ce que tu essaies de faire. <rire> <rire> um... Puis-je au moins oh, avoir seigneur. un câlin? S'il te plaît. Oh s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, arrête. Un câlin qui veut dire oui. Ok. Oh viens <laughs> là bébé. <laughs> euh, oh, <s> <laughs> viens <te plaît>. là. <rire> oh <rire> merci. Oh mon dieu c'est pas vrai. Allez, arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. Je ne supporte pas. Oh, arrête ça, s'il te plaît. Ok, très bien, très bien. Le Honnêtement, j'étais très surprise. Je n'ai jamais su qu'il pouvait être aussi sérieux. Pourquoi étais-tu surprise N'est-ce pas que c'était ça que tu voulais oui, c'est vraiment ce que je voulais. Mais je ne savais pas que Bobby pouvait être aussi sérieux. Je veux dire, j'ai vu la sincérité dans ses yeux. Permettez-moi de dire ceci. Je suis déjà amoureuse de lui. <laughs> Trisha. Uh -huh. Trisha. Uh -huh. C'est mon nom. Fais attention. Fais attention pour ne pas tomber dans l'obsession de l'amour. Mais je te connais très bien oh. Tu me connais tel que je te connais aussi. Ma chère amie, tu prends mal mes intentions parce que je vais être très sérieuse cette fois-ci. Je ne vais pas blaguer avec lui. Je ne vais pas gâcher cette opportunité de devenir sa femme. <laughs> <laughs> Es-tu en train de planifier comment lui proposer le mariage Ça, il l'a déjà fait lui-même. J'attends juste qu'il vienne mais passer la bague au doigt. <laughs> ok, je souhaite les meilleurs. En tout cas, tous les meilleurs. Mais n'oublie pas quelque chose. Je vais t'attendre ici pour te consoler au cas où tu en auras besoin. Mmh? Je t'attends ici, ma chérie. Désolée de te décevoir, ma belle. Je n'aurai pas besoin d'une épaule pour pleurer. Je peux tout gérer. Je suis amoureuse. <laughs> ok. Oh mon Dieu. Cosy. Kossi? Hmm. Ah ah! Depuis que nous avons commencé à causer, tu n'as rien dit. Tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien, désolé. De quoi discutiez vous Est-ce que c'est vrai non, non, je... Tu vas bien qu'aussi. Vraiment, c'est la vérité Non, non. tu ne l'es pas. Ben, je viens de vous dire que je suis désolée, non C'était quoi le sujet déjà dites -moi. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Dis-moi, hein T'es toujours perdue, c'est quoi Je ne suis pas perdue, dites-moi, de quoi parlez-vous oh. Hein Mais tu... Oh! Gossi, tu as dit que tu vas bien? Non, tu ne vas pas bien, ma chérie. Chérie, tu ne vas pas aller à la boutique? Non, je reste faire la lessive. Après quoi, je vais me reposer. Es-tu sûre? Oui, ça va. Ton visage... M'a l'air inquiet, très inquiet. Est-ce que tu vas bien C'est hier que je suis revenue un peu stressée du boulot. Comment as-tu pu permettre cela alors Pourquoi te stresses-tu hum? Je n'avais pas d'autre choix que de le faire moi-même. C'était nécessaire. Je ne veux pas te voir stressée. Ok mm -hmm. OK. Mmh. Très bien, à plus tard. Mmh. Bye. Bye chérie. vais-je faire Je souffre dedans de moi. Je veux le sexe. Je veux être satisfaite. Comment dire à mon mari qu'il n'arrive pas à me satisfaire Je l'aime et je ne veux pas qu'il se sente lésé. Oh. oh Seigneur, jusqu'à quand je vais endurer dans cette situation Non. Je dois chercher comment les lui dire C'est lui mon mari il doit savoir comment je son I have you still feels like I have no one with me You right beside me feels like I'm just alone No one told to me when I have everyone to hold me No touch no kisses when I want it more than ever this temptation is just too much I can't hold it no more no more no more someone please come help me come help me someone please come change my mind it's too much what I'm having vous voyez là vous faites un tour de ce côté, prenez également l'autre là que je vous ai montré avant, de, de là où nous sommes venus, jusqu'à ce point. C'est là que ça prend fin. Et c'est ça vraiment la taille du terrain. Ça commence là, vous prenez celui-ci, l'autre là, et ça prend fin ici. Euh, Mazé, ouais. Cette portion de terre et sa taille, c'est exactement ce que mon fils veut pour son projet. Oh, <laughs> oui. oui. N'est-ce pas mon cher? Oh, oui. C'est ça même. Votre <laughs> fils a bon goût, vraiment. Tu peux le redire. <laughs> tel père, tel <ton> fils. <rire> ouais. <rire> ouais. Tu as bien élevé ton fils. Et je suis très, très fier de lui. Il a bien pensé d'aller pour rentrer dans la maison de son père, dans le village de son père, pour... Euh, Créer une telle facilité. Je suis très fier de lui. Puisqu'il a quitté là et est revenu ici. Au lieu de construire là-bas euh, à l'étranger. Dans le pays des étrangers. Je suis très fier de lui pour ça. Oui. Moi, je l'ai bien instruit. ouais Il n'y a pas mieux que chez soi. <laughs> ça, c'est très bien. C'est correct, n'est-ce pas? Je <laughs> ne dis pas le contraire. <rire> <rire> ok, euh, ça marche. Uh -huh. Dans ce cas, nous sommes arrivés à un compromis. Bien sûr que oui. En okay, fait, okay. euh, je dirais à mon fils de se préparer déjà à faire le paiement aussitôt possible. Ok, ok, <rire> ok. <rire> ouais, ok. Ça c'est vraiment une bonne chose. <laughs> euh, D'ailleurs, ouais. Tcheta, mm -hmm. comment vont tes filles? Euh, elles vont bien. Elles vont bien par la grâce de Dieu. Elles vont bien. Comment va la plus jolie là? Oh, à quoi? Elle va bien. Elle se porte très bien. Ah ah, Mazé Ah ah, y a-t-il quelque chose que je dois savoir Prêche <laughs> les morceaux. Prudente. Ça même. Ta fille, oui, est une jolie fille. Comme j'avais dit à Mazé Ibé. C'est ça, même. Prudente et mon fils ferions un meilleur couple. Ah oui, c'est correct. <laughs> ok. Genre, créer un bon foyer. Je vois maintenant la direction qui s'approche. Oui. Hein, Maso ce que tu as dit est vrai. Tu as très bien parlé. Mais tu vois, quand il s'agit du fait que nos enfants se marient ou entreprennent des relations de ce genre, je n'aime pas trop m'y mixer, tu vois. J'aime souvent qu'ils fassent leur propre choix et qu'ils prennent leurs propres décisions. tu vois. Tu es un homme très sage. <laughs> oh oui <laughs> Mais aider nos enfants à prendre certaines décisions pour leur vie, c'est très important. Très, très important. Très important. Très, très, très important. Comme chez oh, nous, on dit ce qu'un ancien voit en étant assis. L'enfant ne saura pas les voir, même s'il montait au sommet. De, de l'arbre. Ça, c'est vrai. <laughs> vous avez bien parlé. <laughs> Maziba et Mazio vous avez non. très bien parlé. Oui. Merci. Pas. Et je vous ai entendu. Merci. Mais je continuerai toujours à dire que euh, nous devons laisser nos enfants faire leurs propres choix dans des sujets si pertinents qui concernent leur avenir. Oh, oui, <laughs> tu vois, c'est exactement euh, euh, oui. ce que nous devons faire. Okay. Ça. Oui. Vous savez, les enfants de nos jours. Euh... Ils doivent toujours faire leur compétition. Oui, oui, En tout cas, c'est ça. Je même. vous dis. Maman Je m'en vais. Mmh. Oui. Mmh. Bon, rassure-toi de l'impressionner ah ah Tu sais non, maman, uh -huh. tu ne crois plus en ta fille ou quoi Si je ne l'impressionnais pas, elle n'allait pas continuer à m'appeler dans sa maison tout le jour. Et quoi pour... Ta fille va très bien. Hey, oh. hmm? Tu as raison. <laughs> à toi, dépêche-toi. Maman, est-ce est que suis-je belle <laughs> Ça va, ça va. Je vais, je vais, je vais, je vais. Hmm. Reste D'accord, maman. N'oublie pas de soulever une conversation concernant son fils. Très, très important. important. Je le ferai, maman. Mm, Maman, hey. Nous voici en train de devenir riche. C'est possible. Moi non moi. <laughs> ah ah, c'est quoi ça? Ah. Ne venez pas à me déranger. Il n'y en a pas assez pour vous. Oh. <laughs> Ah, Ogodia. Nan. Hein? Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Dieu merci. Alors comment ça a été? Ah, ça s'est très bien passé. Et Zoukou? Oui. Hey, mon mari. Mazio et son fils aîné. Hey. Ils vont effectuer le paiement d'ici là. C'est vrai? Oh oui. Hey! Oh oui. C'est une bonne chose. Une chose de plus. Biko, Biko. Viens <laughs> <laughs> t'asseoir. Hey mon mari. <laughs> hey. Euh, euh... Mazio Kole veut en fait qu'il y ait une relation entre son fils aîné et euh, Aqua C'est vrai Oui. <laughs> tu veux dire prudente Oui. Alors, quelle était ta réponse euh, C'est normal, non C'est à ma fille prudente de faire son propre choix. Aqua fera son propre choix. On ne peut pas être impliqué dans leur choix. Il n'y a pas moyen qu'on soit impliqué dans leur choix. Alors, c'est comme ça que les choses vont se passer. Euh, euh, oui, euh, le fils de Mazé Koli, hein, c'est un garçon très courageux. Je sais ce que je dis, c'est vraiment un garçon très sérieux. D'accord. Personne ne dit le contraire. Euh, 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 non. Euh, je pense que ça serait mieux que tu réfléchisses à sa proposition. Ah, ah, tu sais que j'étais toujours dit que nous devons laisser nos enfants faire leur propre choix. Hein? Quand Siso nous avait amené Richard ici, nous disant, voilà mon mari. Et nous l'avons accepté. On ne s'était pas impliqué. Et la même chose sera aussi fait pour Akwangwam. On ne va pas s'impliquer. C'est leur propre choix, leur propre bonheur. Et c'est les gens qu'elle nous amène que nous allons accepter. Ah mais pouvons-nous pas d'abord euh, dire euh, à prudente? Pas si vite. Ah non tu vois comment t'as tu réagi hein? De quel temps parlais-tu? Prudente, pre ma fille. Maman hein? Non, viens 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 ma fille. Hey! Bonjour. <laughs> à, à quoi on Maman je suis hey, là. Ma fille viens t'asseoir ici tu viens vas? vite vite. Oui. <laughs> hey! hey. Ton père vient d'avoir une réunion avec Maze Okoli. Euh, il a dit que Maze Okoli lui a dit que son fils... J'allais dire qu'il a vu que toi et son fils... Ça peut... Maman, maman, ah, s'il te plaît. Je connais déjà la fin de cette histoire. Je ne suis pas intéressée. Ah, ah. Mm -hmm. Prudente. Mm -hmm. Tu n'as même pas laissé finir ce que j'étais en train de te dire. C'est parce que je sais déjà ce que tu as l'intention de me dire, maman. Maman, crois-moi, la façon dont tu vas avec cette affaire, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Mmh. Tu as vu, madame Connexion. Mmh. Ton travail, c'est de connecter. Tu connectes ici, là-bas et partout. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas laisser ces enfants faire leur propre choix. Ce qui est très, très important. Je t'avais déjà dit ça. Hein? Le femme et le mariage. Ha! Ha! Ok ou... Bébé, j'aimerais te dire quelque chose. Je t'écoute, vas-y. Je ne trouve pas satisfaction sexuellement. À chaque fois que nous sommes en intimité, tu ne me fais pas arriver au bout. Tu t'es lassé tes fatigues si rapidement. Euh, Lève-toi de là. Es-tu aveugle? Es-tu en train de me dire indirectement que je ne suis pas sexuellement actif C'est ce que tu veux me dire? Non, non, c'est Alors, alors pas de quoi parles-tu? Bébé, ça n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de dire que tu peux faire plus. C'est déjà bon ce que tu fais, mais tu n'en fais pas assez. Sais-tu que tu viens de m'insulter en me disant une chose pareille Le sais-tu Depuis quand peux-tu dire une telle chose Tous les jours avant que je n'aille au boulot, nous le faisons. Et le soir, quand je reviens et que je monte là-haut, nous le faisons. Que veux-tu plus de moi Dis-moi, vas-y, dis-moi Bébé. Oui. Tu fais tout ce que tu peux. Mais. À vrai dire, la question serait ici tu résistes pour combien de temps je ne peux croire que c'est toi qui me dis tout ça. Je suis vraiment déçu de toi. Bébé, s'il te plaît, ne me mécomprends pas. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Ce n'est pas pour te mettre en colère que je l'ai dit, c'est juste pour nous dire que nous pouvons améliorer les choses. S'il te plaît, peut-être que mon approche n'a pas été bonne, mais ce n'est pas dans l'intention de te... Lâche-moi, c'est bon. <laughs> wow.

Inke. Onyabuchi, qu'est-ce qu'il y a? Inke, je n'aime pas ce que tu fais. Accorde-moi un peu d'attention. Tu me stresses, tu continues à, à, à m'ignorer. Hein? Peux-tu répéter? Je dis que tu me stresses. Tu es vraiment stupide pour m'avoir dit cela. <laughs> je te stresse. Venez écouter cette affaire, oh. Ce petit vaurien me dit que je le stresse. Inke, calme-toi, non? C'est pas arrivé à ce point-là. Tu me demandes même de me calmer. Hey Qui hey va tout voir dans ce village ici Une curieuse stress Je ne vais pas te blâmer Je ne vais pas te blâmer Idiot Toutefois, laisse-moi t'épargner du stress Nous ne sommes pas de la même classe Je t'en prie J'appartiens aux gens du niveau élevé de la cité Tu vois, moi Tu ne pas prendre soin de moi tu ne sauras rien. Tu peux vendre toute votre terre. Je sais n'importe quoi de vos ancêtres ou quoi. Tu ne sauras pas prendre d'un kilo. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de la même classe. M'as-tu entendu? Alors, n'ose plus jamais me suivre. N'importe quoi. Calme-toi, Inke. Mon Dieu, m'as-tu demandé de me calmer? <laughs> Donc tu viens d'apprendre un nouveau français et tu viens le pratiquer chez moi. Je ne te blâme pas. Voilà pourquoi je dois quitter ce village vite pour que toutes ces insultes s'arrêtent. Petit rat. N'importe quoi. Oh. Regardez. Idiot. Ok, je finirai par travailler à la cité. Va à la cité n'importe quoi. Chéri, ton si déjeuner est prêt. Je n'ai pas faim. Je mangerai sûrement quand j'aurai faim. Donc, je ne mangerai je pas ici. ne peux pas sortir les ventres vides. Si c'est à cause de ce que je t'ai dit la fois dernière, je suis désolée. Et tu fâchais contre moi. Pardonne-moi, chérie. Kossi, t'excuser ne fera pas à ce que je mange la nourriture. Ok ça ne fera pas ce que je mange ta nourriture. Connais-tu le degré d'insulte que tu m'as infligé hier? Le sais-tu? Tu, tu m'as regardé en face pour me dire que tu n'étais pas sexuellement satisfaite. Bébé, désolé. Ce n'est pas pour t'énerver que j'avais dit ça. Je te promets que je ne vais plus le répéter. Nous en parlerons que... quand je reviendrai, parce que là, je suis vraiment en retard, ok? okay? Je ne m'attendais pas à voir cette réaction qu'il m'a donnée. Il ne s'inquiète même pas de comment je ressens moi. Il est juste en train de faire le masculin. Ma chérie, les hommes n'aiment pas qu'on les insulte. Ils se sentent intimidés. Ça, c'est vrai. Tu vois, quelquefois, ils n'ont pas toujours raison. Mais ils refusent de l'accepter et ils protègent leur côté des hommes. D'accord Tu as entièrement raison. Et crois-moi, ton mari sait parfaitement que tu as raison sur toute la ligne. Mais il ne va pas l'admettre à ta présence. Tu sais, tu dois observer et savoir où il a changé. Quelquefois, il peut te le dire. Je sais que c'est très difficile parce que ces choses ne se discutent pas hors de la maison. Mais parce que nous sommes tes amis, nous devons nous le dire. Ok. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Cherche-toi un vibromasseur. Ah ah, <laughs> ma chérie, <laughs> tu as raison. C'est la solution parfaite pour une situation mm -hmm. comme celle-ci. <laughs> Mais comment depuis tout ce temps je n'ai jamais pensé à ça Je suis en train de parler d'un homme et non d'un instrument. Genre, j'ai besoin d'un être humain. Je veux sentir que je suis en contact avec un homme. Et oh non, alors? Et alors? Ok. Bien. Pour le moment, je suis sans mots. Si mon petit conseil ne sera pas considéré, alors contente-toi de ton mari. Ok. Alors, dites-moi où est-ce que je vais le. Trouvé. Là, maintenant, tu parles. T'inquiète pas, tu vas t'habituer avec les temps. Laisse-moi te dire comment ça marche. Tu ne le mets pas hors du corps, mais à l'intérieur. T'as raison. <laughs> T'inquiète, tu vas l'adorer. Oui. <laughs> Je n'aurais jamais pensé que ma femme me confronterait pour cette situation. Et elle a même eu le culot de me dire que je ne pouvais la faire sentir comme une femme. Et j'ai tellement honte de pouvoir accepter cette vérité. Comment vais-je me sortir de cette merde Comment Désolé monsieur. S'il vous plaît. Et euh, depuis quand est-ce que tu es ici Juste en vous regardant, vous avez l'air troublé. Je crois que tout va bien. Est-ce que tu as un petit ami Oui, bien sûr. Et il te satisfait mmh, Oui. Et comment fait-il cela? Je crois que c'est privé, monsieur. Ah, excuse-moi. Je suis désolé d'avoir voulu entrer dans ta vie privée, ok? Um, ça ça m'est juste venu comme ça, ok? Ok, monsieur, il n'y a pas de problème. D'accord, Oh, Vas-y, mets-les là. Ok, je les dépose ici. Mais, euh... Um, hum. Um, um. As-tu juste dit qu'il te satisfait? Oui. Il le fait bien, j'en suis sûr. Est-ce que je peux partir? Du... <coughs> euh, euh, les gars, il, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous demander. Vas-y. En fait, comment est-ce qu'un euh, 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 est qu homme va à l'extrême de satisfaire sa, sa femme au lit? Ah ah. Richard, cette question m'a l'air très suspecte. Très suspecte, vraiment. Ne me dis pas que tu ne fais pas bien le travail. Ah non, que Dieu me parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. <laughs> Au fait, euh, euh, c'est mon cousin éloigné, ok Il me l'avait demandé et il a vraiment besoin d'aide. Vous comprenez Et je lui avais dit oui que j'ai des amis et euh, je leur parlerai afin de lui revenir après. Mais ça ne me concerne pas du tout, sérieusement. Dans ce cas, tu l'aurais juste fait part de ton expérience La manière dont tu satisfais ta femme ah, Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais mais ce que j'essaie de faire, c'est d'entendre cela venant de vous, au fait. Vous comprenez Afin de compléter avec ce que j'ai moi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Écoutez, ce gars a vraiment besoin d'une relation sérieuse. Et j'ai besoin de. Je lui ai promis, au fait. Je lui ai dit, je te fournirai toutes les informations dont tu auras besoin. Donc voilà exactement ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas comme si j'étais impuissant. Ah <laughs> Ok. Je vais. Je vais te donner quelques astuces. Laisse-moi d'abord prendre un peu d'inspiration. Oh non, tu en as besoin. En as Vraiment. Il est terrible. <laughs> Mauvais gars. Trop bien. Tu sais, pour moi, euh, satisfaire une femme dépend du genre de la femme. Beaucoup de femmes ont une forte libido. Certaines ont une très forte libido mais vous n'allez pas les rencontrer. D'autres ont une faible libido. Voilà, ça dépend et il y a des moments où il faut laisser la femme contrôler, tu vois, qu'elle prenne le contrôle. Je ne peux pas conseiller les aphrodisiaques <laughs> parce non. que ça finira par te rendre faible. Oh, même pas un petit non, peu. Non non, ça il faut même pas essayer. Juste qu'il soit lui-même, essayera. Mmh. Exactement. Comment Exactement. Comment je, je, je ne comprends vraiment pas. Comment Comment tu ne comprends pas Ok, regarde. Qu'il essaye les nouvelles choses. Ce n'est pas répéter les mêmes choses à chaque fois encore et encore. Il faut essayer d'autres choses. Parfois, les surprises sont bonnes. Un rapport sexuel inattendu. Et alors, ton corps, ton esprit, ton âme doivent être focalisés là-bas. Exactement. Là Et j'aimerais encore répéter. Pas d'aphrodisiaque. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as aimé? <laughs> tu as raison. Mais laisse-moi te dire. D'autres hommes sont très égoïstes quand ils sont au lit. Ils aiment souvent se satisfaire eux-mêmes en ignorant les désirs de la femme. Merci, que Dieu te bénisse. J'aime les préliminaires, des longs préliminaires avant le sexe. Bosse sur cette femme, fais en sorte qu'elle désire la pénétration, elle va la demander, et après sa demande, tu pourras la lui offrir. Tu sais, j'aime souvent dire aux gens pense à ce qui t'avait attiré auprès de ta femme en premier lieu. Ok. Demande la femme qu'est-ce que tu préfères ou comment veux-tu que ce soit ou encore donne-lui la responsabilité Qu'elle soit la responsable et après tu l'auras <laughs> hey ce gars est mordant hein? <laughs> prof maintenant là, je comprends maintenant je comprends pourquoi est-ce que euh, toutes ces filles, tu te poursuivent comme des mouches, en fait. Non, 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 non. non, 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 non. c'est un professeur. Attends, attends. Professeur. C'est biologiste. Oui, oui, non, c'est ça même. Professeur. Ce mec, non, non, c'est un <laughs> sorcier. Waouh. Maintenant, je peux ajouter ce que vous venez de dire avec ma propre expérience. Et quand je me verrai avec ce gars, en tout cas, il sera vraiment content. <laughs> oui, qu'il fasse exactement <laughs> cela, ça va marcher. Mais avant qu'il ne le fasse, il doit, euh... il doit venir payer la dîme. Oui, exactement. De son oui, 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 oui. Soyez, soyez prêts, il les gars, est soyez prêts. Parce que ceci est vraiment spirituel. S'il ne vient pas, on va te suivre. Oui, je sais. On va te suivre. C'est totalement spirituel. Tu es son garant. Non, sérieux, il n'y a que les esprits qui peuvent te révéler. Ce <laughs> ça, ça c'est mon pote. <laughs> Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, c'est un vibromasseur. ma soeur. Oh oui, bien sûr. Je sais que c'est un vibromasseur. ma soeur. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Euh, je, je, je voulais t'en parler. Je cherchais juste une opportunité. Pour te les dire. Tu voulais m'en parler, mais tu étais en train de chercher une parfaite opportunité pour le faire, c'est ça? Hein? Mmh. Et tu ne m'as pas dit que tu voulais t'acheter ce truc et tu t'en es acheté toute seule. Et ça, c'est juste pour montrer que tu préfères ce jouet plutôt que moi. Non, 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 chérie, je ne peux pas te remplacer par cet instrument. Comme tu peux le voir, je n'ai pas encore utilisé ça. Je cherchais à avoir ta permission avant, avant de l'utiliser. Tu ne l'as jamais utilisé avant. Alors qu'est-ce que ça fiche ici Vas-y, dis-moi qu'est-ce que ça fiche dans cette maison continue n'en as-tu pas marre N'en as-tu pas marre de m'insulter Hein ça, c'est juste pour montrer que, que je ne suis plus un homme pour toi. Oui, c'est ça. Pour que tu sois à l'aise dans cette maison, tu dois me montrer que je ne suis plus un homme pour toi et que, que je ne te satisfais pas du tout. Vas-y, continue. J'espère que ton nouvel engin d'amour va t'aider à te satisfaire. Si c'est vraiment ce que tu cherches. Chérie, tu n'as pas mangé ta nourriture. Juste parce que je n'ai pas faim. Comment peux-tu dire que tu n'as pas faim pendant que tu n'as encore rien mangé? J'ai mangé ailleurs. <laughs> Chérie, tel que je te connais là, tu ne manges jamais dehors. Eh bien, j'ai décidé de commencer à le faire. Est-ce que quelque chose ne va pas avec Oui, rien ne va avec. C'est moi ta femme, mais je prends mon temps pour te préparer à manger. Et pourquoi tu dois manger dehors C'est soit tu n'aimes plus les repas que je fais pour toi, ou encore tu n'apprécies plus mes efforts. Oh, vraiment C'est comme ça que tu te sens maintenant Cela te semble insultant eh bien sache que c'est comme ça qu'on se sent, quand on fait confiance à quelqu'un et que cette personne nous trahit malheureusement. si tu n'as rien d'autre à faire comme essayer de dormir. Bébé, j'ai besoin de toi. Oh, m'y arrête ça. Tu as besoin de quoi Hein Et ton vibro, ma soeur, il ne marche plus. Hein Tu n'as plus envie de t'en servir Va le chercher. Mets des batteries et utilise-le. Vibro, ma soeur. J'ai besoin de toi, mon œil. Il doit y avoir de piles. Va l'utiliser. J'ai besoin de toi. Ah, je... Laisse-moi t'aider. Non, ne te dérange pas. Mais oui, papa. Non. Eh, ouais. <laughs> ah. Hé. Hey. Es-tu prête à t'en aller tout de suite? Oui, papa. <laughs> ah. Es-tu vraiment sûr que tu es prête à aller? Crois-moi, papa, je vais bien. La tisane café, ma maman m'a vraiment soulagée. Exactement. Et j'ai donc je ne peux la rater pour rien au monde. Vraiment? Oui, papa. Tu as examen. Si quelque chose t'arrive maintenant et que tu meurs, vas-tu encore faire tes examens? Sans effet. Nai, c'est quel genre de parole comme ça? Hein? Est-ce que les mots que tu as employés peuvent servir d'exemple? charomia Tu me connais bien avec mes mots. Je les ai toujours placés tels qu'ils doivent être. Tu vois, mm -mm. j'ai juste utilisé ces mots pour. Euh, Dire la vérité, c'est tout ce que j'ai fait. Mm -mm, bah, naï, je n'aime pas ta façon de dire la vérité là-haut. Où... Ah ah, ma fille est bien maintenant. Bien, je suis content qu'elle va bien, ok? Et je sais très bien qu'elle ira bien, ok? Ça va, papa, ça va. D'ailleurs, Grande Sœur Kossi m'avait appelé aujourd'hui le matin. Oh. Elle a dit qu'elle voulait que j'aille là-bas rester avec elle pour un temps. Mais je ne peux accepter cela parce que j'ai examen. Oui, elle m'avait aussi appelé. Et je lui avais tout expliqué. Mais je n'avais pas aimé sa façon de parler au téléphone. Ogaudia, ce n'est pas parce qu'elle a parlé avec un ton bas qu'il y a forcément et ça ne va pas. Il faut arrêter d'imaginer des choses. Mmh, Nai, Koshin Chosuku est ma fille. Je connais sa façon de parler. C'est juste que je ne comprends pas à sa façon ce dernier temps. J'étais toujours dit de laisser ça entre les mains de Dieu, car c'est lui. La seule personne qui a le contrôle. Hein Nous n'en avons pas le contrôle, mais c'est Dieu qui en a le contrôle. Hein À quoi on... En... As-tu assez d'argent Oui, papa. C'est vrai Oui. Ok. Très bien. Allons Va y. bien. Ok, papa. Oh, laisse-moi t'aider. Non, oh, ma... oh, oh, laisse-moi. Oh, oh. même. y vais... doucement. Vais... Laisse-moi faire moi. Oh. 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 Ah, laisse. <laughs> Allez. Oh. Allons-y. Il euh... n'y a pas de problème. Papa, Je okay. fais tout ça pour toi, ma fille. Prends soin toi. Allons-y. Tu connais Alors, bien ta mère. En tout cas, toi... <laughs> Fais attention, sinon ta mère risque de tomber. D'accord hey. <laughs> Ok. Ah. Maman, j'ai fait pratiquement tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais il ne réagit pas. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille, tu avais commis une très grande erreur. Lorsque tu avais acheté un vibro, ma soeur, sans son consentement, ça donnait l'impression... Quand tu n'appréciais pas tous ses efforts. Maman, j'accepte que j'avais tort, mais j'ai présenté mes excuses. Mais il ne veut pas m'écouter. Mais qu'est-ce qu'il qu me veut encore Exerce encore une petite patience, ok Il va se ressaisir très bientôt. Il t'aime énormément. Il était juste jaloux. Parce que tu as préféré un vibromasseur que lui-même. Ah, maman, je ne l'ai pas utilisé. Je lui ai même expliqué. Je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je l'ai même exposé sur la table juste pour faire régner la paix. D'accord. Hum. C'est ce que tu vas faire maintenant. Cherche à t'occuper maintenant. Ok Il va reprendre ses états lorsqu'il va réaliser que tu ne t'occupes plus de tout ça. Oui les hommes se sentent en insécurité lorsqu'ils constatent que leurs femmes ne s'occupent plus de leurs activités. Ils cherchent à faire un effort pour découvrir qu'est-ce qui occupe leurs femmes et au moment pourtant, ma chère rassure-toi que quand tu fais cela, tu utilises ta tête ok ok. Euh, maman, je vais rentrer demain. Je suis juste surprise qu'il ne m'appelle pas jusque maintenant. Ah, <laughs> t'inquiète, ça va aller. Ne te fais pas de soucis. Mmh. Tu sais que le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. Je sais, ça va aller. Nine. C'est comment pour l'argent que tu m'avais promis pour acheter ce que je t'avais dit? Uh. Nani! C'est comment pour l'argent, non? Uh. <coughs> Papa. Uh. <coughs> Papa! Papa, j'avais dit que tu vas arrêter avec le tabac! T'as dit ça, mmh. hein? papa? Mais c'est pas bien pour ta santé, papa. Ne sais-tu pas que le tabac nuit gravement à la santé? Laisse-moi en juger, prudente. Pourquoi est-ce que tu te déranges toi-même? Hein? Même si tu emmènes ton père de Jérusalem jusqu'à Jéricho, il va toujours consommer le tabac. Alors, s'il te plaît, laisse-le tranquille. Je t'en prie. Mmh. Tu as entendu ta mère? Mmh. Écoute-la, ok Il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas <coughs> entre les hommes et les tabacs. En <coughs> <coughs> fait, comment vont tes études Papa, ça se passe bien. Es-tu sûr J'en ah. suis très sûr. et pourquoi est-ce que tu dis ça <coughs> As-tu des doutes Hein sais tu pas qu'elle a hérité de moi l'intelligence Ougodia, s'il y a quelque chose dont j'ai la maîtrise, c'est <coughs> mon intuition, à savoir quand les choses marchent bien et quand elles ne marchent pas. Ma fille, papa, à quoi Papa, si tu y as des problèmes au niveau de l'école, quoi qu'il en soit, peu importe sa forme, ou que tu fais face à un problème dans la vie. Quoi qu'il en soit, rassure-toi de me le dire, ton père. D'accord. Est-ce que tu m'entends Oui, papa. C'est très important. Parle-en à ton père. Mmh. Il y a des confidences entre père et fille. Donc, et tu, tu m'exclus maintenant. Ougodia, mmh? je ne t'exclus pas. Mmh? Donc, il n'y a rien entre père, fille et mère. C'est ça Juste entre père et fille. Pas de problème. Où est l'argent que tu t'avais demandé pour acheter mon truc? Ogodia. <coughs> Ogodia. Dis-moi seulement si tu en as Combien, es Combien de fois t'es appelé? Combien de fois t'ai-je appelé? Oh Seigneur. Cassie. Desmond. Wow, euh, ce monde est très petit. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici Bien, je viens en peine d'arriver je me suis décidé de faire un peu de shopping. Et toi, qu'est-ce que tu fais <laughs> Moi de même, je suis venu faire le shopping. Wow, <laughs> ravi de te voir à nouveau. <laughs> tu as l'air splendide, tu sais. Merci. Bien, je n'aimerais pas te prendre trop de temps debout comme ça. Puis-je au moins avoir ton numéro? Comme ça, je peux t'appeler. Puisqu'apparemment, tu n'utilises plus ton ancien numéro. Allez. Desmond. Je suis mariée. Alors, je sais que tu es mariée. Ne pouvons-nous pas être amis? Ouais, pas mal. Ok. Oh, wow! Si Trop bien, je vais t'appeler. Je suis très heureux de te revoir. <laughs> je sais. Tu es jolie, tu sais. Merci. Euh, ravi de te revoir. <laughs> <laughs> okay. Très ravi de te revoir. <laughs> Pas révoir. de problème, d'accord. Heureusement que j'avais ces sacs avec moi. Il va bien croire que je suis venue faire le shopping. Oh, mon Dieu. C'est tellement beau. Allez, s'il te plaît. Je croyais que tu allais me demander les news de mon Bobby. Excuse-moi. Oh, mon Dieu. <laughs> T'inquiète pas. Mmh. Le tien viendra bientôt. Nous allons aussi aimer. Ton oh. prince charmant viendra bientôt. Nous allons aussi aimer ma chérie. Je te le dis. Hey, hey, hey. Kossi. Qu'est-ce qu'il y a de ce comme ça Qu'est-ce qui ne va pas Il hmm. y a quelqu'un qui te poursuit. Depuis quand la maison d'Etricia est devenue la tienne Merci de lui avoir posé cette question. Cette fille vient ici tout le jour et elle envahit mon espace. Et elle ne me laisse même pas avoir la paix. Hmm. Tu dois être heureuse parce que je vais te tenir compagnie tout le jour. Tu dois me remercier. Allez, des grâces. Arrête ça. Euh, Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ah Devinez qui j'ai vu aujourd'hui. Esprit, comment Allez, Je veux deviner quoi C'est quoi Sois sérieuse. Ah, hein, ma soeur. Allez, devinez. Ma devine. belle, on est nul en devinette. Alors dis-nous qui tu as croisé. Mm -hmm. Ok, ok. J'ai vu Desmond dans ma boutique. Desmond mm -hmm. Quel Desmond Le même Desmond que vous connaissez. Desmond, ton ex-petit ami Oui, Desmond, mon ex-petit ami. Bébé, tu as vu des bonds de tes propres yeux. Mm -hmm. Est-ce qu'il a vraiment changé? Mm -hmm. Loin de là. Bon, il était en forme, pas mal. Ben, mm -hmm. il avait euh, une bonne mine. Oh, <laughs> mais oui, on le sait, c'est pas nouveau. Tu l'as laissé tomber à cause de Richard. <laughs> ah non, non, non. Pourquoi tu dis ça? Tu le dis comme si c'était un acte délibéré. N'est-ce pas qu'il n'était pas prêt pour le mariage Il n'était pas prêt pour une vie de famille Qu'est-ce que vous attendiez de moi Croiser mes pieds M'arrêter, m'asseoir pour l'attendre Peu importe, ça suffit. Ma chérie, je ne faisais que plaisanter. Ah. Ah. Alors, dis-nous, comment s'est passée votre rencontre Rien de grave, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné, puis c'est tout. Tu lui as donné ton numéro alors, s'il veut te reprendre. S'il il veut, il veut qui Toi. Ça, ce n'est pas possible, même pas dans les rêves. Je suis mariée. Hello. Ok. Ok. Oh, ma chère amie, tu dois être prudente. Sois prudente. Tu n'as pas droit à l'horreur. Tu es déjà mariée. Mm -hmm. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire. Ok, c'est bon. Je vous comprends parfaitement. Mm -hmm. mm, je le suis. Ne me bombarde pas avec des conseils. Trouve-moi un truc qui va me rafraîchir. C'est juste chaud que j'ai apporté. Apporte de l'eau. C'est ta maison. Loup. Pas de problème. Je reviens te parler de Bobby. <laughs> Excuse-moi. Hein? <laughs> Bobby. <laughs> N'importe quoi. Eh où? Mon mari. Oh, Ogodia. Bienvenue. Merci, merci, merci. Hey, Comment tu vas? Je vais bien. Comment évolue toute chose? Um, comme tu peux bien le voir. <laughs> Très bien. Merci. Hey. Ogodia. Non. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Quelque chose genre crois Je ne comprends rien. <laughs> ah. Je parle en me référant sur la dernière visite de Kosiso ici. Ouais, derrière cette visite, elle avait sûrement un problème à part nous voir seulement. Oui. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de parler avec elle. Parce que je l'avais vue en train de te parler. Ouais des soucis, des soucis, elle en avait vraiment partout dans son visage. Oh, ah, je me mais dérange. Naï, ne te dérange pas. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. D'ailleurs, elle l'a déjà résolu. Es-tu sûr Oui. Mais comment est-ce que tu ne m'as même pas fait part de ça Naye, Comme je viens à peine de te dire tu n'as pas à t'inquiéter. Elle mmh. l'a déjà résolu. Ça concerne juste les femmes. Très bien alors. Euh, ok. Si tu dis ainsi, qu'est-ce que je vais manger Tu sais, cette euh, soupe que tu m'as toujours faite là, ma préférée, hein? ça fait un temps que je ne la mange plus. Vraiment. Voilà pourquoi je fais ta soupe préférée. <laughs> tu vas mmh. aimer aujourd'hui. <laughs> Allô mon ange C'est Desmond au téléphone. Oui. Je me t'ai dit de t'appeler et savoir comment tu allais. Exactement. Et je me t'ai également dit de t'acheter une boisson ce soir. S'il te plaît, ne dis pas non. Ne dis pas non, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Ok, trop bien, merci. Je t'enverrai l'adresse et l'heure, ok? Mm -hmm. Ok. Euh. Bébé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions passer un moment autour d'un verre. Juste comme ça? Euh, C'est tout ce qu'il a dit. Désolé. Un instant. C'est lui. Il vient de m'envoyer l'adresse là où on doit se voir. Qu'est-ce que vous me conseillez J'étais conseillée d'être prudente. Mm -hmm. Sois prudente. Ce qui est plus important, ne te laisse pas faire. <laughs> Ça veut dire que vous ne me faites pas confiance Non, nous te faisons confiance à 100%. Mais je veux que tu saches qu'après toutes ces années, Desmond a sûrement changé. Je suis sûr qu'il n'est plus le décevant que tu as connu dans le passé. Écoute, ce gars est malin. Alors je veux que tu télécharges de la sagesse. Ouais. La sagesse. Ouais, ma chérie. très raison. Je crois que tu ne sais pas de quoi ce garçon est capable. <laughs> Sérieusement, mm. vous ne me faites pas confiance toutes deux. Soyez apaisés. Ne vous en faites pas. Je sais que je suis mariée. Je sais bien que je suis engagée. Pas de je problème. Je ne veux pas les ok. <laughs> Écoutez, c'est un petit cas. S'il a changé, ok, d'accord. Moi, si j'ai changé. <laughs> oh, oui, sérieusement, <laughs> vous n'avez pas à vous en faire. Oui. C'est ton problème. <laughs> ok, tu veux nous dire qu'il n'a pas envie de te rencontrer mm -hmm, Bien sûr. Hum, hum. De la même façon qu'elle ne doit pas le sous-estimer. Je suis au contrôle. C'est bon. Si tu le dis. Ok, je l'ai dit. Donc c'est comme ça que tu serres les gens chez toi. Vais-tu la fermer? J'ai demandé le vin rouge et toi. Et toi, tu m'apportes le rouge. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors comment vas-tu et comment va ta femme aussi? Ok. Oui. Quand est-ce que vous viendrez me rendre visite? Ah. Oh. Richard, tu recommences. Pourquoi as-tu soudainement changé d'idée? Vous étiez censé venir me rendre visite au courant de ces mois. Oh. Ok, ok, c'est dû au travail. Mais n'oublie pas, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de te voir, je t'en prie. D'accord. Mes salutations à Cosy. Bye. <laughs> Richard. Kiro, maman, j'ai tout fini. Aussi vite? Oui, maman. Merci. Pas de problème, oh, maman. Kiro, s'il te plaît, j'aimerais que tu te rendes au marché et m'acheter quelque chose. Ah, ok, maman. S'il te plaît. Problème. Oh, s'il te plaît, va prendre un stylo et un bout de papier pour que j'écrive ce que tu vas acheter. Ok, maman. Oui. Mais maman, mm -hmm. euh, comment va alors ton fils? Oh! Il va très bien, merci. Euh, D'accord, maman, s'il si appelle prochainement, dites-lui que Kiro l'a salué. Pourquoi je ne le ferai pas? Après tout ce que tu fais pour moi ici à la maison, tu laves les assiettes, tu laves les habits, tu balades, tu fais pratiquement tout, bien sûr. Je lui passerai tes salutations. D'accord, maman. Ok. <laughs> je vais l'en prendre. Un bout oui. de papier? D'accord. C'est sur la table. Oui, apporte aussi. J'avais vu ça. C'est bien. Ah, Kiro. Une bonne fille. Alors, raconte comment tu vas. C'est comme tu vois, ça va. Oui, tu as l'air en forme physiquement. Mais je peux toujours voir que tu es inquiète. Le fait que je sois assise ici, avec mon ex en train de discuter, je ne sais pas moi quoi. ne devez donc pas me déranger? <laughs> As-tu oublié, as -tu oublié si tôt que je suis un psychologue? Mon instinct, instinct me dit que ton inquiétude n'a rien à voir avec le fait que nous soyons ici, nous deux. Ce n'est pas pour appliquer ta profession que tu m'as invité ici, d'accord Non, je suis désolé. Je n'ai pas assez de temps, s'il te plaît. Je suis désolé. C'est bien, bien de t'avoir ici avec moi. Merci. Ce que, que je suis sur le, le point de, de dire peut de paraître fou. Mais je t'aime toujours. Je veux Et, je veux Et je veux que tu me reviennes. <laughs> Ce que tu dis n'est pas, pas seulement fou, mais tu es toi-même fou. Tu, tu oublies que, tu que tu je suis marié. Oui, oui, tu es marié. Tu es marié. Tu sais, tu sais tu très bien que ces gardes t'avaient volé des entre mes mains pendant que je me battais. Je me battais pour de survivre, pour donner de un de sens de à ta vie, vie ainsi qu'à la, la mienne. Je te, je te je veux, veux maintenant. Je suis de retour. retour. Je, 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 suis je suis prêt à te prendre en charge. Je suis prêt à réaliser tes rêves. Je suis désolé de te décevoir. La femme que tu réclames être la tienne, elle n'est pas pour toi. J'appartiens à un autre. Je suis mariée à un autre homme. Alors, Alors dis-moi. Est-ce que ta est vie amoureuse avec, avec ce gars, gars est mieux que ce qu'on a vécu moi et toi? Tu ne t'attends pas à ce que je réponde à cette question, je crois. Oh, bien sûr que oui. Réponds. Si seulement si tu veux te rendre un service. Je n'ai rien à te dire là-dessus. Ça, c'est parce que, que, tu que tu refuses de voir ça. la vérité. Tu sais quoi? Je vois que c'était une erreur pour moi de venir ici. Pourquoi aller avec toi? Ouvre tes oreilles. Écoute-moi. Va faire ta vie. J'ai déjà fait la mienne en épousant un autre homme. Tu dois faire la même puisque j'appartiens à quelqu'un d'autre. J'aime mon mari et je ne veux pas qu'il y ait une tierce personne dans notre amour. Je ne peux Je pas te laisser parler. Je suis malade. C est C est malade. C est C est vraiment malade. That's why Décroche ce téléphone, Cassie. S'il te plaît, vas-y, décroche. Cassie, s'il te plaît. Cassie, s'il te plaît. Je veux juste te parler, s'il te plaît. Vas-y, décroche, allez, décroche, décroche. Décroche ce téléphone, bordel. Non mais décroche ce téléphone, Kossé. C'était quoi ce que tu as fait Écoute. C'est quoi ce que tu as fait la nuit dernière Mais quoi C'était quoi Tu m'appelles avec insistance la nuit En vrai, tu ne savais pas que mon mari était là. C'est quoi ton plan Ok, comment tu m'as trouvé ici Oh, Cassie. Cassie, tu as vraiment changé. Ça, ce n'est pas toi. Comment peux-tu me mentir à propos de cet endroit Comment C'est ma vie et mon choix. j'ai choisi à qui dire la vérité comme je veux. Je te demande encore, comment tu m'as trouvé ici Et c'est quoi ce que tu as fait la nuit dernière Cassie, je, je suis désolé. Je, je suis désolé. Écoute, tu sais que je ne peux pas supporter voir un autre homme te toucher. Excuse-moi Ça me rendra jaloux. Je ne pourrai pas les supporter. Je, je, je deviendrai fou. Qu'est-ce que tu dis tu sais de quoi je parle? Tu sais que je n'aime pas qu'un autre homme te touche. Je. Je perds le contrôle. En fait, je confirme maintenant que tu as vraiment perdu tes sens. Complètement. Alors, que veux-tu ah, que non, je non, Attends, fasse? attends un peu. Si mon mari ne me touche pas, qui d'autre va me toucher? Est-ce que tu vas bien? Tu si t'entends parler vraiment? Que veux-tu que je fasse Va faire ta vie, trouve-toi une femme, marie-toi, juste comme je l'ai fait. C'est ce que tu dois faire. car si je ne peux pas Je sais qu'on a été pendant longtemps loin l'un de l'autre, mais on peut recommencer. Je veux qu'on redevienne ce qu'on était l'autre fois. car si pendant toutes ces années, je n'ai rêvé que de ton retour dans ma vie Quitte mon shop. Si tu ne veux pas partir, tu peux rester là, je m'occupe de mes clients. Hey, salut. Comment vous allez? Ça <laughs> va bien. Ok. Je suis un peu rapide. Est-ce oui, que je vais vous montrer tout? Regardez bien, vous allez okay, trouver madame. certainement les amis que vous allez aimer. C'est un nouvel arrivage. Vous avez ceci dans d'autres couleurs? Oui, oui. Passe derrière dans l'autre rayon, tu le verras là-bas. Nous avons tous les modèles. J'ai mis mon temps à Dubaï pour retrouver tout ça. Vous serez satisfaite. C'est très joli, regarde bien. <laughs> Vous allez aimer. Pourquoi ne réponds-tu pas à cet appel? Mmh, ce n'est pas un appel important. Et qui est-ce qui appelle? Ce sont client. clients. Elles veulent prendre les habits en crédit. Et, euh, je leur avais dit qu'en crédit, ça ne serait pas possible. Mais euh, elles insistent. on un juste le téléphone. Elles arrêteront d'appeler. Ah. Ben voilà, ça marche à tous les coups. <laughs> Quoi? Co Quoi? Cosi! Co Cosi! Co si! Oh! Oh! Maman, tu oh. as fait un mauvais rêve? J'espère que tout va bien. Oh. Oh. J'ai fait un très mauvais rêve. Oh! Qu'est-ce que c'était? Oh. Euh, hey. Tu sais comment mes rêves deviennent toujours réalité. Euh, honnêtement, c'était très mauvais. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Comment est-ce que ma jolie Kositochuko peut pleurer? Où est ton père? Euh, Peut-être qu'il est dehors. Laisse-moi aller voir. Non. 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 Je rejette. Je rejette. Toute puissance de l'ennemi Satan qui est en train de combattre ma fille Cosido Au oh, nom puissant de Jésus. Toute puissance maléfique. Tout attaque du monde des ténèbres. Tu n'as aucun pouvoir sur ma fille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions qui te poursuivent, ma fille, au nom puissant de Jésus. Seuls les sangs de Jésus te couvrent en ces moments. Je te couvre les sangs de Jésus. Tu es protégé par les sangs de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Ah ah. Oh Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Nani, je fais un mauvais rêve sur Kosito Ah! Toi avec tes rêves encore? Hein? Mais Nani, euh... tu sais bien comment mes rêves se réalisent. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Non! Qu'est-ce que tu as vu cette fois-ci? J'étais hors de la maison. Et maintenant, Kosi Dojukou était vraiment devant moi. Et lorsque j'avais levé mes mains pour essuyer les larmes, elle a disparu. J'espère que tu n'essayes pas de déranger le mariage de notre fille avec toutes tes. Histoires basées sur des rêves qui n'ont pas de sens. Naï, pourquoi peux-tu dire cela? Comment peux-tu dire que mes rêves n'ont pas de sens? Kosito est ma fille. Et je dois toujours m'inquiéter pour ceux qui ne marchent pas avec elle. Oh oui, écoute, je ne dis pas que tu ne dois pas t'inquiéter ou te soucier d'elle. Mais je ne cesse de te rappeler que dans chaque circonstance, étant sa mère. Tout ce que tu dois faire, c'est de prier et laisser Dieu agir. J'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà prié. Mais... Mais quoi? Mais quoi? Ton problème est d'avoir la foi, une forte foi. Tu es juste une femme de peu de foi. Oh mon Dieu. Tu n'as pas de foi. Tu as besoin de la foi. Et c'est ça que tu manques maintenant. Oui, ta foi, c'est la seule chose qui peut te sauver. Mais pour moi, je sais que mon Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Et il le fait pour moi. Tu dois avoir une telle foi. Hein? Mais pourquoi tu ne parles pas? Vas-y. Je te dis que tu dois avoir cette foi. Oui, Godia. Tu sais que tu ne résous jamais les problèmes. Oh. Ah que veux-tu que je fasse? Veux-tu que je commence à pleurer, à crier par-ci, par-là, que je commence à me jeter comme ça? Je ne suis pas une femme. Alors je ne peux pas faire ça. Je crois très fort à mon Dieu, à mon tch tchinedum. Et il est tout ce dont nous avons besoin. Terminé. S'il te plaît, apporte-moi mon tabac. OK? Pourquoi tu me regardes comme ça? Apporte-moi mon tabac. Cousi, écoute, je te confie écoute dernière, ma femme, rien écoute. De de Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la foi <laughs> en Dieu. Il va faire. effets tu me connais bien j'ai toujours parlé telle que les choses se présentent car je suis un homme intègre mais ma de dé a été contre nous sur la vente de ce terrain tu vois, à chaque fois que nous parlons de ça dans la réunion du conseil, il s'y est toujours opposé. Hein? Et je ne sais plus du tout quoi faire. Tu sais que tu as toujours. Euh, tu m'as toujours fait des révélations sur ma D. Que tu as observé ceci, cela, etc. Et j'étais toujours écouté. Tu sais de quoi je parle? Non, uh, non, non. No. D'accord. Ce que j'essaie de dire est que. Nous aurons une réunion demain et j'ai vraiment besoin d'un conseil sur la manière dont nous devons gérer ce Mazien de D, car il est le seul à s'y opposer tandis que moi je suis d'accord. Et tu sais que c'est moi qui dirige le projet. C'est très très important que je sache exactement quoi faire. Alors, j'ai vraiment besoin de ton conseil sur ça car la réunion est prévue pour demain. Est-ce que tu comprends C'est la chose la plus importante que au Ougodien. Oh, oh, oh ah, Qu'est-ce qui ne va pas encore? Hein? C'est quoi le problème? Pourquoi es-tu devenue si pensive? Hein? Qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, dis-moi. Je sens qu'il y a un ça ne va pas. Mmh. Je sens comme s'il y a quelque chose de mal qui veut arriver. Ah, Ogodia, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Je t'ai déjà dit d'arrêter de penser qu'à cause de telle ou telle autre situation, quelque chose de mal va arriver. Rien de mal ne va se produire. Ah ah. Tu dois essayer de penser différemment. Je veux essayer. S'il te plaît, il serait mieux que tu essayes. Tu vois, je n'aimerais pas que ce que tu traverses puisse affecter ta santé. Parce que tu ne fais que penser à tout moment. Tu penses toujours profondément. Et ça commence vraiment à me déranger. Tu vois? J'ai entendu Nai. Je veux essayer. Demain matin, j'irai à la réunion du conseil. Pense à ça, car j'aurai besoin de tes conseils. Pour que je sache quoi faire car ma zine de Dieu devient trop compliquée. Desmond, qu'est-ce que tu viens faire ici nest ce que je t'interdis de venir dans ma boutique Mais tu sais que je ne peux pas. J'ai bien essayé de t'oublier mais ça ne marche pas. Ce n'est pas que tu dois faire un choix ou non. Tu dois le faire. Tu es obligé de le faire. Bien, je le ferai. Je le ferai mais j'aimerais que tu me fasses une faveur. Juste, dis-le. Je te promets que juste après je ne vais plus te suivre. Dis-le. Tu qu le dire. Bien, qu'est-ce qui se passe ici Ai-je manqué quelque chose Oh non non non, euh, c'est mon client. Il était juste au point de partir. Oh. Avant ton arrivée. Oh d'accord. Il n'a pas l'air content du tout. Oh oui oui, les marchandises qu'il a commandées ne sont pas encore arrivées. Ok. Je pense que ce visage, ce visage m'a l'air très familier. Non, non non, tu ne le connais pas. Je te dis vrai chérie, j'ai déjà vu ce gars là quelque mmh, part. Bébé, est-ce que tu peux arrêter de t'occuper de mes clients Parle un peu de nous. Parle oh, je suis désolé, je suis désolé, ok euh, Je suis venu pour t'inviter à manger avec moi. Parce que je suis censé voyager aujourd'hui même pour le travail. Alors prépare-toi, nous... C'est arrivé jusqu'à ce point uh -huh. Tu veux voyager pour le business donc c'est jusqu'au point de ne plus rien m'informer sur toi. Hein? Non, 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 ce non, c'est pas, c'est pas du tout ça, chérie. Ce n'est même pas comme si je, j'essaie je, de te punir. Non, pas du tout. C'est, c'est, c'est juste un, un voyage d'affaires inattendu. Et je suis obligé d'y être. C'est juste ça. Je n'essaye pas de te punir ou de te faire quoi que ce soit. Sérieusement. C'est pour combien de temps que tu vas Juste prendre? deux semaines, je serai là. Deux semaines pleines pour un voyage inattendu. Pour de vrai Chérie, je, je viens te dire que j'étais désolé, hein? ok Je suis désolé. Je n'ai pas d'autre choix. Puisque tu dis que tu es désolé, je dois accepter. Ah, voyons, de... chérie. Je souhaite juste que tu fasses la même avec moi. Allez, arrête de dire ça. Nous n'avons pas besoin d'en parler là tout de suite, ok Allons-y seulement. Hmm? Bien sûr que je vais venir, hein, si j'ai un choix. Prends ton sac. Ah, d'accord. Oh, salut, comment vas-tu Ça va, monsieur. <laughs> Ça se voit que tout va très très bien pour toi. Hein Ça se voit. Kossi. je suis désolé de ma réaction de l'autre jour. C'était un peu plus fort que moi. Je suis désolé d'avoir négligé tout ce temps. Ici en train de me dire tout ça parce que tu m'abandonnes pendant deux semaines Non, tu ne dois pas dire cela. Je ne t'abandonne pas du tout. Et tu sais que je ne peux le faire. Je t'en prie. Je veux juste que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Ok? Je suis contente que nous soyons de retour ensemble, avec beaucoup d'énergie. Tu sais, ces moments excitants que nous passons tous ensemble me manquent. Oh, crois-moi. Nous allons rallumer notre flamme. Quand je reviendrai, tous ces moments excitants, nous allons les faire vivre, et en mieux, et plus fort que jamais. <laughs> D'accord. D'accord, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. <laughs> Bon après-midi, maman. Bon après-midi, qu'est-ce qui t'est arrivé au okay? euh, pied J'étais tombé la nuit dernière et l'os euh, s'est un peu déplacé. Tu aurais dû rester à la maison au lieu de venir ici <laughs> Non, moi je suis venue parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider avec le travaux ménager. Mais Kirou, comment est-ce que tu peux faire ça avec ces pieds qui te font mal Ça va, euh? maman. Je ne me plains pas. Je veux bien le faire. Va te reposer à la maison avec ses pieds. Je voulais seulement t'envoyer au marché m'acheter quelques histoires, mais je le ferai seul. Hey oh, maman. Prends cet argent et va t'acheter des anti-analgésiques. Merci, maman. Je t'en prie, s'il te plaît, rentre à la maison. Ok. Je viens avec toi. Tu ne viendras maman, pas avec moi, s'il te plaît, plaît par la serai... maison, avec ses pieds. Non, 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 c'est pas possible. Rentre à la maison. ekele mi ooo abẹkwama ọsọ abẹkwamu n'ọkọọkọ a k'así ìdáló.

Au lieu de prier au Créateur, toi tu pries aux gens que je ne connais même pas. Ah ah! Ougodien, l'ignorance tue. Je peux bien comprendre que l'évolution du temps hein, a vraiment enlevé et éradiqué ce que nous faisons dans notre culture a été enlevé de ton cerveau. Sans aucun doute, notre Dieu est suprême. Je crois en Dieu. Et au même moment, notre culture et notre tradition sont les choses les plus importantes. Et nous sommes assujettis de dire merci à nos ancêtres. C'est extrêmement important. Ougodia, je suis un homme de tradition et je continuerai à respecter notre culture. Car notre tradition est sacrée. Ce n'est pas nécessaire, Nain. Ce n'est pas du tout nécessaire. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu. Ogodia, pourquoi continues-tu de parler de ça à tout moment, Ogodia? Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Nos ancêtres sont très importants dans notre vie quotidienne. En fait, où est ma nourriture? Pourquoi me fais-tu parler comme ça? Où est ma nourriture? Salut bébé Ça me rend mal à l'aise. J'étais interdit de venir dans ma boutique. La tête que tu fais commence à me perturber. Tu as failli me causer des troubles hier avec mon mari. Je suis désolée Regarde, je suis vraiment désolé à propos de ça, ok ah, C'est quoi ta raison d'être ici Continue à te demander la faveur que je te demande tout ce temps. Quelle faveur Tu peux le dire. Ok. Je sais que tu as oublié, mais je te pardonne. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je veux que tu viennes dans ma maison pour le célébrer avec moi. Quoi Venir où Ça, ce n'est même pas possible. Mais qu'est-ce que je vais venir faire chez toi Je ne viens pas chez toi, s'il te plaît. Tu as cette monde que tu peux inviter avec qui tu peux célébrer ton anniversaire. Je sais. C'est vrai, j'ai assez de monde que je peux inviter pour célébrer mon anniversaire. Mais j'aurai aussi besoin de ta présence pour que cette journée me soit spéciale. S'il te plaît, accepte cette petite demande de ma part. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. monde, s'il te plaît, arrête de, arrête de m'embarrasser. Lève-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas me lever d'ici si tu n'acceptes pas ma demande. S'il faudra que je reste ainsi toute la journée, je le ferai. Ok, d'accord, lève-toi. Tu peux te lever maintenant. S'il te plaît, lève-toi. Tu toi, promets non? Je serai là. Lève-toi. Merci. Ne sois pas si excité puisque je ne veux pas rester pendant longtemps. C'est bon, ça me suffit. Merci, je... Merci beaucoup. Je t'enverrai l'adresse et l'heure une fois qu'il ici. Crois-moi, tu vas aimer. Promets-moi juste qu'après ça, tu ne viendras plus me déranger. D'accord. C'est promis. Oui, je te le promets. Viens. Merci. Mmh. Aide-moi, Seigneur. Ok. Um, S'il te plaît, fais comme chez toi. Où sont les autres personnes? Mais nous sommes déjà 19h. Comment tes invités ne sont pas encore là? Oh, de quel invité parles-tu? Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu vas inviter d'autres personnes avec qui tu veux célébrer. Où sont ces personnes avec qui tu allais festoyer? Oh regarde Cassie, je n'ai pas besoin du monde pour célébrer mon anniversaire. Ce jour est très spécial pour moi et je n'ai besoin que de toi pour le rendre mémorable, c'est tout. Nous ne sommes pas convenus comme ça. Je dois partir. Pourquoi ai-je l'impression que tu as peur Peur de quelque chose Peur. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je m'inquiète juste. Tu t'inquiètes pourquoi? Je suis soudainement devenu un tueur et je vais te tuer, c'est ça? Allez, arrête. Je pense pas jusqu'à ce point. Ok. Maintenant que tu es là, pour mon anniversaire, tu comptes déjà m'abandonner? Vraiment Qu'en est-il de la promesse que tu m'avais faite Non, c'est à moi de répliquer. Est-ce que tu as tenu à la promesse Tu voulais dire quoi Que voulais-tu dire Tu vois, tu n'as même pas une justification pour toi-même. Je ne t'ai jamais fait une promesse sur qui tu devrais rencontrer pendant mon anniversaire, n'est-ce pas j'ai juste promis de ne plus te déranger après aujourd'hui. Ok, bien, tu as gagné. Bien. Maintenant, sois mon invité. Allez, viens t'asseoir. Trop bien. Merci. D'accord. Et. Euh c'est quel genre d'anniversaire comme ça? Pas de souhaits, pas de chansons, pas de sourires, rien bon que la colère. Bien, j'aime ça. Bien. Alors, nous allons célébrer pour mon anniversaire. Te rappelles-tu de mon dernier anniversaire que tu as célébré? Certainement pas. Mais aujourd'hui, tu es un célèbre. <laughs> tu es trop belle. Joyeux anniversaire. Honnêtement, tu n'as pas trop changé. Alors, ça c'est... Euh... La célébration de la vie, la célébration de l'amitié, ne vas-tu pas chanter pour moi vraiment Joyeux anniversaire. Ok, très bien, vas-y, j'aime beaucoup ça. Joyeux anniversaire de ce monde, joyeux anniversaire. Alors, nous allons boire à notre amitié. J'attendais que ces jours viennent où je célébrerai mon anniversaire avec toi. <laughs> Alors, Toston, je te souhaite le bonheur du monde. Je te souhaite la vie et la prospérité. Oh, regarde, Kossi. À nous et à Dieu qui a fait en sorte que nous nous retrouvions ici. Mmh. Alors. C'est le moment du gâteau. Mmh. Je... je vais te laisser couper les gâteaux. Puisque tu es mon invité spécial, je te laisse couper les gâteaux. <laughs> non, s'il te plaît. S'il te plaît, j'insiste. C'est ton anniversaire, s'il te plaît. OK. J'aurai besoin de ta main pour m'aider. C'est mon anniversaire. Je peux demander de l'aide. OK. Ce n'est pas mon anniversaire. S'il te plaît, c'est mon anniversaire. Il doit être au-dessus de ta main et non le contraire. Ok. Euh, qui est-ce que je peux souhaiter à Je J'ai un anniversaire à moi-même. Vrai, mm -hmm. je m'en rappelle toujours. Mm -hmm. Rappelle-toi comment... Nous faisions quand nous étions à l'école. Mm -hmm. Tu vas creuser un grand trou. Mm -hmm. Et <laughs> là, tu vois, tu faisais tes doigts pour les finir, apparemment. Mm. Sans toi, Lise, ne t'inquiète pas. Je ne saurais les finir moi-même. Non. Mm -hmm. As-tu besoin de plus de vin? Mm. Yeah. Eh non, bon, juste okay. un peu, un peu. Vas-y, juste un bon, peu. arrête. C'est comme au beau vieux temps. Tu veux mon vin? C'est comme si tu es ivre. Doucement, doucement, doucement. Okay. Essaye de finir ça. Toston. 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 Ok. Ok, ok. OK. No. OK. <coughs> <coughs> Qu Je... Qui a-t-il? Qui a-t-il chéri? <coughs> Il y a quoi? C'est quoi le problème? Pourrais. Regarde, c'est par quoi tu m'as fait passer? Dis-moi, regarde ce que tu m'as fait. Je dois partir. Tu ne peux pas rentrer, en tout cas pas <laughs> maintenant. Il est très tard. Il est presque oh. une heure. Oh, Seigneur. Ça, ça, c'est exactement ce que j'ai vu. Comment peux-tu avoir peur Comment peux-tu avoir peur de quelque chose que moi et toi avons aimé Tu sais, la réaction que tu as donnée. Aucun homme qui a tous ses sens ne peut résister à cela. Tu t'es collé à mon corps, la façon dont tu m'avais serré, la façon dont tu m'avais touché. Même quand je voulais arrêter, tu m'as supplié de continuer. J'ai aimé ces moments. Et je m'audis les jours où je t'ai perdu. Assez. Arrête. Arrête. Épargne-moi des détails, s'il te plaît. Tu sais que cacher la vérité n'est pas mon truc. Ce qui s'est passé entre toi et moi vient juste de réveiller tous nos moments du passé. Je dois être honnête envers toi. Je ne regrette pas ce qui vient de se passer. Je veux que ma femme me revienne. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour t'avoir à nouveau. Je t'aime toujours. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. S'il te plaît. Je. J'aimerais Je... qu'on le fasse encore. Je veux que ça continue. Je vais t'avoir pour moi seul. Non, 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 je ne vais pas. Laisse-moi. Non, non, arrête. Cassie. Non, je dois rentrer chez moi. Cassie. Non, non, je dois rentrer chez moi. Laisse-moi. Cassie. Je ne veux pas. Cassie. Ça fait longtemps que je me suis aussi sentie excitée sexuellement. La culpabilité m'a tout envahie. Mais je ne saurais me tromper et dire que je n'ai pas profité de ça. La satisfaction, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Et je l'ai eu chez mon ex en prêchant mon mari. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, Dieu ait pitié de moi. Qui est-ce? Eh, hey, s'il te plaît, ouvre-moi. Oui, vous cherchez? Je veux voir ta patronne, s'il te plaît. Ma patronne? Oui. Vas-y, ouvre-moi. Veuillez patienter, s'il vous plaît. De là. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison de mon mari? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Calme-toi, je suis venu te voir. Tu ne décroches plus mes appels. J'étais dans ton shop à maintes reprises et tes travailleurs m'ont dit que tu n'étais pas là. Pourquoi je dois prendre tes appels? Dis-moi, pour quelle raison? Hum? Écoute, reste loin de moi. Je ne vais plus te voir encore près de la maison de mon mari. Tu m'entends? Reste loin. Quand est-ce qu'on va se voir? Te voir pour quoi? Mais écoute, me voir pour nous. Est-ce que je ne te manque pas? Toi, tu me manques énormément. Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite? Je ne peux la respecter. Oh mon Dieu. Je ne peux pas. As-tu oublié oh. ce qui est arrivé entre nous deux récemment? Tu sais quoi? Je ne vais plus jamais te voir encore ici. Emeka! <laughs> Emeka! Madame! Viens ici, dépêche-toi. Écoute, je ne veux plus jamais voir ce visage. Dans cette parcelle. Est-ce que tu comprends? N'ose plus jamais parler ou ouvrir le portail pour lui si tu ne veux pas perdre ton travail. Dégage! Monsieur, monsieur, allez-vous-en. On vous a dit de vous en aller. Allez-vous-en, non? Je ne veux pas perdre mon emploi. Qui est Eh, hey, s'il te plaît, ouvre-moi. Oui, vous cherchez. Je veux voir ta patronne, s'il te plaît. Ma patronne Oui. Vas-y, ouvre-moi. Veuillez patienter, s'il vous plaît. De là. Qu'est-ce que tu me veux Qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison de mon mari Qu'est-ce que tu es venu faire ici Calme-toi, je suis venu te voir. Tu ne décroches plus mes appels. J'étais dans ton shop à maintes reprises et tes travailleurs m'ont dit que tu n'étais pas là. Pourquoi je dois prendre tes appels Dis-moi, pour quelle raison hum? Écoute, reste loin de moi. Je ne veux plus te voir encore près de la maison de mon mari. Tu m'entends Reste loin. Quand est-ce qu'on va se voir? Te voir pour quoi? Mais écoute, me voir pour nous. Est-ce que je ne te manque pas? Toi, tu me manques énormément. Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite? Je ne peux la respecter. Oh mon Dieu. Je ne peux pas. As-tu oublié oh. ce qui est arrivé entre nous deux récemment? Tu sais quoi? Je ne vais plus jamais te voir encore ici. Emeka! <laughs> Emeka! Madame! Viens ici, dépêche-toi. Écoute, je ne vais plus jamais voir ce visage. Dans cette parcelle. Est-ce que tu comprends? N'ose plus jamais parler ou ouvrir le portail pour lui si tu ne veux pas perdre ton travail. Dégage! Monsieur, monsieur, allez-vous-en. On vous a dit de vous en aller. Allez-vous-en, non? Je ne veux pas perdre mon emploi.

c'est quoi ton problème? Nani. J'ai encore fait un cauchemar. Oh! Ah! Gaudien, cauchemar, cauchemar, cauchemar encore. Hein? Ça doit être une hallucination. Hein? Je pense que tu dois aller voir un médecin cette fois-ci. Ah ah! À tout moment, tu ne fais que des cauchemars. Il serait mieux que tu vois un médecin. Oui. Non. Hein? Tu ne te soucies pas de savoir en quoi consiste le rêve en question. Non, je ne veux rien savoir du tout. Et j'en ai même pas la moindre intention. Non. Ce truc commence à prendre trop de temps. Hein? À tout moment, tu ne fais que des cauchemars, cauchemars. Ah ah. C'est quoi le problème? Oh, yeah. <siffle> Mazie Cheta, hein? y a-t-il quelque chose qui te dérange ah. Mazie Okole je ne comprends plus ma femme du tout. En tout cas, je n'arrive plus à la comprendre avec sa série de rêves, des cauchemars. Ça commence vraiment à me déranger. <siffle> je te le dis. Oh, c'est donc ça? N'est-ce pas une raison pour s'inquiéter? En tout cas, ça commence à me fatiguer et je ne sais plus comment m'y prendre. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas le seul qui vit ce théâtre de femmes. Ces femmes sont quelque chose d'autre. Je ne te le fais pas dire. Peux-tu imaginer que l'autre fois, ma femme s'est réveillée à minuit en criant: Ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Ah ah! <laughs> Vraiment? Oui, mon frère. Oh. Et lorsque je lui ai demandé qui elle suppliait pour ne pas la tuer, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit que c'était bien moi qui essayais de la tuer. Oh mon Et elle ajoute, Dieu. elle dit que si elle n'était pas forte, je l'aurais déjà tuée. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Elle m'a même traité de sorcier cette nuit-là. Oh mon Dieu! Elle a dit que j'ai planifié la tuer pour venir avec une autre femme dans notre maison. Attends, 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 attends. Euh... Comment as-tu résolu ça? <laughs> Ce n'était pas facile, mon frère. Jour après jour, elle ne faisait que les répéter. Et elle suspectait mes mouvements. Une petite erreur, elle va appeler son fils et se plaindre. Bonjour à vous, monsieur. C'est Dieu bonjour, qui m'avait sauvé. Hey, comment... Oui, c'est Dieu hey, qui m'avait sauvé. Salut, mon fils. C'est Dieu qui m'avait sauvé. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes pensent qu'elles ne sont pas en sécurité. Hein? Au moment où elles ont tout, elles ont tout, mais elles pensent qu'elles sont en insécurité. Je ne sais pas pourquoi. Hein Tu ne peux pas les blâmer, c'est comme ça qu'elles ont été créées. <laughs> je sais. Mais ma femme avec ses rêves, <laughs> c'est devenu vraiment très compliqué. Je te conseille d'être fort, mon frère. En tout cas, ça me surpasse, je te dis, mon frère. Parce que si tu entres dans son jeu, elle risque de croire que c'est vrai. <laughs> Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Cosi! Cosi! On aurait tout vu dans ces mondes. Cosi est en train de dormir à cette heure de la journée <laughs> dans sa boutique. <laughs> Ma soeur, laisse-la dormir. Je suis sûre que son mari ne l'a pas laissé dormir toute la nuit. Voilà pourquoi elle est en train de dormir. <laughs> Madame, réveille-toi. Hein? Ah, vous êtes là. Kosi, hum. qu'est-ce qu'il y a avec toi, non? Et euh, le visage que tu y as là n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Ah, Mes chérie, je ne comprends pas. Je me sens tellement exténuée. Je me sens malade. J'ai des nausées. C'est vrai. Es-tu partie à l'hôpital? Pas mmh. encore. Mais je vais aller. Quoi oh, si mmh. Es-tu sûre que tu n'es pas enceinte mmh. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Quelquefois tu réagis comme si tu laisses ta tête à la maison. Comment peut-elle être enceinte As-tu oublié que son mari provient du voyage Alors, c'était vraiment enceinte avant son voyage. Hum. Pourquoi sommes-nous en train de discuter sur ce sujet? Dis-moi d'abord, c'est pourquoi? Vous c est c est pourquoi. Pour à mon sujet. Peux vous avez fait cette distance de votre maison jusqu'ici, juste pour. Commencer. Ce n'est pas de ma photo, c'est cette fille. Qu'est-ce qu'on qu que va encore chaud. dire, Laissez copine? En Alors. Hum. 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 Hey. Quoi? Qu'est-ce que hum. tu encore ah. vas encore dire? Vas-y, dis-moi! Ah. Est-ce que ça va? Tu en es sûre? Ça va. Tu en es sûr. Chérie, es-tu sûre que tu vas bien? Ça va, oui. Tu n'as pas arrêté de vomir. Mmh. Tu dois voir le docteur. Mmh. Non, pas besoin de ça, chérie. Non. Mmh. Je ne vais pas me rendre à l'hôpital. Tu en as besoin, c'est très important. Oui, ok, je, je t'en prie, tu dois voir un docteur. D'accord oui. Viens là. Tu vas aller mieux, ok oui. Est-ce que ça va mm -hmm. Tu es sûr <laughs> Félicitations, Madame et Messieurs Richard. Ta femme est enceinte de deux semaines. Euh, docteur, je pense qu'il y a un problème quelque part. Non, ma, ma femme ne peut être enceinte. Ok. Et même si elle l'était. De deux semaines, vous avez dit C'est ce que le résultat a donné. Elle est enceinte de deux semaines. Félicitations. Kossi. Mmh, 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 mmh. As-tu entendu ce que la docteur vient de dire? Que tu es enceinte de deux semaines. Il y a deux semaines de cela, au fait. Alors, peux-tu expliquer? À qui est ce bébé que tu portes? C'est à toi que je demande! À qui est ce bébé que tu portes? Monsieur Richard. Une... S'il vous plaît, allez-y doucement. Ça va aller. Voilà qui est parfait. Euh, merci, docteur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis laissé tromper par le diable. Le diable. Donc, aussi, le diable t'a rendu enceinte, n'est-ce pas? Et ça ne m'étonne pas, c'était il y a deux semaines. Au oh, juste deux semaines, Kossi. Tu t'es fait ce plaisir de coucher avec un autre homme que moi. Le diable t'a rendu enceinte. Le diable, oui. Pour deux semaines que je suis parti de cette maison. Pour deux semaines. Tu es devenu enceinte. Tu as même couché sur mon lit avec un autre homme. Et là, tu me parles du diable Allez, va-t'en! Cossi, va-t'en chez moi. Cossi, ramasse tes affaires et va-t'en de ma maison. Va-t'en tout de suite! Lève-toi et va-t'en d'ici! Je t'ai dit de quitter ma maison! Mais comment est-ce que tu as pu faire ce genre de choses, ma chère amie? Comment? Comment? Je ne sais pas. Je reviens. Laisse-moi t'apporter un verre d'eau. J'ai compris un peu le problème. Mais si au moins tu étais euh, devant cette situation, tu devais quand même utiliser euh, le préservatif. Non. Non. C'est pas le moment de poser de questions. Elle doit appeler Desmond tout de suite et lui parler de cette affaire. Il doit venir ici et prendre la responsabilité de ses actions. Mmh, 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 mmh. Ce chat je ne pense pas que c'est la meilleure façon de résoudre ce problème. Non. Alors, qu'est-ce que tu suggères Que nous devons les laisser partir juste comme ça Allez, il doit venir finir ce qu'il avait commencé, c'est ça. Il doit venir s'occuper de ses affaires, s'il te plaît. Mais Kossi, pourquoi Hein Pourquoi Allez, Kossi, Kossi, s'il te plaît, ça suffit. Prends ces verres d'eau et essaie de te calmer. Écoute, je suis vraiment désolée, ma belle. Arrête ça, s'il te plaît, tu vas te faire du mal, ma belle. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant Hein, hein? Désolée. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant hein? Ok, calme-toi. Bonjour, ma. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Votre mari était venu ici, il a fermé le port de la boutique. Il était venu seul? Oui. Il a changé de serrure et il a utilisé de nouvelles clés. Il nous a demandé de rentrer à la maison. Je vois. Ok. Rentrez juste à la maison, hein? Quand j'aurai besoin de vous, je vais vous rappeler. Tout va bien, okay. ne vous dérangez pas. Hein. Rentrez à la maison. Uh, ok. Merci, ma. Pas de problème. tu veux dire que ton mari a scellé ta boutique et il t'a ravi toutes les cartes bancaires et même la voiture qu'il t'avait donnée le jour de ton anniversaire. C'est vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'il veut que tu deviennes Je veux dire, ce n'est pas du tout gentil de sa part. Je dois rentrer dans la maison de mes parents. Es-tu sûr que c'est une bonne réflexion tes parents ne seront pas contents si seulement ils apprennent ça, surtout ta mère. Honnêtement, tu as raison. Mais elle ne peut quand même pas cacher ses problèmes à ses parents. Ma chérie, je crois qu'il serait mieux que tu appelles Desmond et informe-le de ta situation. Qu'est-ce que tu en dis Je vais l'appeler une fois que j'arriverai au village. Hum. Es-tu sûre que tu seras sur cela toute seule Oui, ça va aller. Je ne suis pas aussi une enfant. Ça va. aussi nous sommes. Ok. Sache qu'on est avec toi. Ça Et nous allons te soutenir, peu de... importe le problème. Essaie d'être forte. Mon Dieu. Ça va. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Qu'aussi. C'est bon. Ça suffit. Quoi Est-ce que j'ai bien entendu mon fils Ou suis-je en train de rêver Bienvenue, ma fille. Tu ne nous as pas appelé pour nous dire que tu es arrivé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Richard m'a renvoyé de la maison. Je n'ai pas compris quand tu me dis que Richard t'a renvoyé de la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Je, je 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 suis enceinte. Tu es enceinte? Hey, ça c'est une bonne nouvelle. Oh ma fille, viens, viens. Yeah, Nemo, c'est une bonne nouvelle, hein? Après deux années de mariage. Hey, je bénis Dieu. Mais pourquoi ce Richard t'a mis hors de la maison? Hein? Je... Je suis... Je suis... De... Non... Notre homme. Quoi Hey Hey Je ne peux sincèrement pas croire qu'elle m'a trompé. Une femme que j'aime éperdument, une femme que j'aime de tout mon cœur, m'a trompé. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Hum. Hum. Ce sujet nous dépasse. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un tel acte Quel que soit ce que c'est. Quel que soit ce que c'est, je l'aime énormément. Et j'étais prête à faire n'importe quoi pour elle. Je lui ai tout donné, tout ce dont elle avait besoin. Alors quel est le problème Lequel Tu vois, euh, Richard... Euh, le pire est déjà arrivé. Pour moi, je pense que le mieux à faire maintenant, c'est d'être calme et, et essayer de trouver un moyen d'avancer. Il n'y a aucun moyen d'avancer, mon ami. Il n'y a aucun moyen, mon vieux. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vive avec une femme qui m'a trompé. Une femme qui ne me respecte pas. Hein Écoute, frère, je. Il s'agit là de ta femme. Mm -hmm. Et c'est quelqu'un que je connais. Je pense que. Il y a forcément une raison derrière Mais, 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 cet... mais Qu'est-ce que, que... Je... Tu vois Mais, qu'est-ce que tu. Ce n'est pas juste que. Qu'est-ce que tu racontes Ah oui Une raison Pour qu'une femme trompe son mari ah. ah Quel genre de raison ça peut être Hein Écoute, frère, je suis désolé, je suis désolé. Je. Je voulais juste donner ma contribution. Mon ami, si tu n'avais vraiment rien à dire, tu aurais dû te taire et ne rien dire du tout. Sérieux? Oui! Tu aurais dû garder silence. En tout cas, j'ose croire que nous pouvons résoudre ce problème. Exactement. C'est également ce que je pense. Nous n'allons rien résoudre du tout. C'est clair Laissons-la telle qu'elle est. Laissez-la rester dans la maison de son père pour toujours. Et ne jamais revenir ici. Richard Oh oui. C'est vraiment ce que tu veux Exactement ce que j'ai fait. Ma fille. Je viens de réfléchir. Tu t'es mariée à ton mari à cela deux bonnes années sans pour autant avoir un enfant. Alors, juste une nuit, juste une nuit avec un autre homme. Hum, t'es tombée enceinte. Cela ne te dit pas quelque chose. Maman, qu'est-ce que tu insinues? Es-tu sûr que ton mari n'a pas de problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi me poses-tu cette question? Es-tu un enfant? Es-tu sûr que ton mari n'est pas impuissant? Ah! Maman, il n'y a rien qui ne va pas avec mon mari. Moi et mon mari, nous sommes allés dans plusieurs hôpitaux et tous les docteurs, sur base des examens que nous avons faits, ont confirmé qu'on n'a pas de problème, moi et lui. Ah. Je, je n'ai pas besoin de réfléchir à propos, mais mon instinct continue à me dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais toutefois, hmm, rassure-toi de ne rien dire à Desmond à propos de cette grossesse. Quand cercle aussi, le repas est prêt, que je te l'apporte. Non, t'inquiète, mets ça juste sous la table. S'il te plaît, aide-moi à ranger les habits dans la valise. D'accord. <laughs> Ton père va revenir cette semaine. Oui, j'ai parlé avec lui au téléphone. Il était vraiment très fâché. Je crois qu'il est déjà apaisé alors qu'il est en train de revenir ici. Pas de problème, ma fille. Ne t'inquiète pas, ok? Je vais moi-même lui parler. Hum? Merci, maman. De rien. Calme-toi. Ah ah. Bianca, tu reviens avec les légumes que tu t'es les vendre, Maman, tu es ramener ces légumes pour les manger ou quoi Hein Maman, beaucoup de gens ont amené des légumes aujourd'hui au marché, alors c'était difficile pour moi de terminer le mien. Oh non, maman, il y a beaucoup. Ah OK, viens. Viens te mettre ici. Allez. Moga dogo bas Prends place. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. Mmh. C'est une opportunité pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? J'étais allée voir Rebecca. Mmh. Je l'ai trouvée très en colère. Je lui ai demandé c'est quoi le problème. Elle m'a dit que son fils a renvoyé sa femme, disant mmh. que sa femme était une mmh. Le temps est venu pour toi de te positionner dans cette famille. Mmh. Mets-tu plus tes visites chez elle. Fais-lui remarquer ton bon comportement. Au fait, quand tu l'aides avec ses travaux, ne prends plus rien en retour. Euh, mais, euh, maman... Opportunité oh. là. Ne vois-tu pas que nous précipitons les choses Je veux dire, c'est clair que ton fils a encore des soucis par rapport à ce se s'est passé. Ha! En quoi cela nous concerne C'est un propulse pour toi pour pouvoir gagner son attention je crois qu'à ce moment, il doit être dans une solitude complète. Si tu ne joues pas bien ta carte, une autre personne viendra te les ravir. Hey Tu as entendu ce que j'ai dit Kiru. tu n'as qu'à bien jouer ta carte. Est-ce que tu m'entends Oui, maman. Après tout, ces formes ne sont pas données à Des tout le monde. De quoi parles-tu, maman Ça, bien sûr. Tu dois l'utiliser pour avoir ce que tu cherches. Tu dois le mettre à profit pour gagner ce que tu cherches. Hé, hey, maman, c'est comme tu savais non? Papa. Oublie ton père. Nous parlons de choses importantes <rire> ici. <rire> Utilise les capitaux naturels que tu y as. Oh, très bien. Hé, hey, tu. maman, tu sais, ma. <laughs> Maman, tu vas me tuer. <rire> <rire> Écoute, tu dois toujours bien prendre ton bain. Sois fraîche à chaque fois que tu veux aller la rendre visite. C'est vrai? On ne sait jamais, oh. Tout peut arriver. Oh. Soyons juste prêts à nous en accrocher. Hey <laughs> Maman, <laughs> nous Mama allons devenir riches, riche, très bientôt. Et nous allons quitter ce village. Ah, ah, village. Hé! <laughs> oh, je parlais d'Abuja. Toi, tu parlais de village. Qu'est-ce que nous resterons faire dans ce village Nous irons à Abuja. <laughs> à Abuja. Nous y Mama, sommes. Maman, tes rêves sont Allez, à la hauteur. Pas, te laver, pas. Te rafraîchir. <laughs> D'accord. Viens, Kiro. Oui, maman. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Bienvenue. Merci. Ah, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai apporté ces légumes frais. C'est bon pour la santé, ça va te maintenir, maman. Alors, je les ai apportés pour toi. Merci beaucoup, ma belle. J'apprécie. Allez, pose-les là-bas. D'accord maman. Merci beaucoup. Pas papa. de problème maman. Tu as apporté tout ça pour moi. Oui maman. Hein? Hein? Hey, Kirou. Kirou, tu vas me tuer avec des cadeaux. Hein? Hey. Maman, j'aimerais te poser une question. Ok. Quand est-ce que ton fils va venir Ah, c'est quoi cette question Comment euh, Comment sais-tu qu'il viendra bientôt Ah non, maman, ce n'est pas que je sais. Mais quoi euh, Parce que c'est ton fils, alors je sais qu'il peut toujours venir te rendre visite ici, maman. Hein? Kirou. Maman. Tu aimes mon fils <laughs> Oui maman, je l'apprécie. Je l'apprécie énormément. Ah. Mais ce qui est sûr, il est déjà marié. Hum. Son couple a un problème ces derniers temps. C'est vrai Oui, mais c'est pas ça le sujet <laughs> d'aujourd'hui. Allez, attends. D'accord maman, il n'y a <laughs> pas de problème. Ça ne marche plus Oui, et je ne vais pas t'en parler plus. Écoute, aide-moi. Tu vois ces amis que j'ai posés sur la véranda Prends-les et Mets-les dans l'eau, je t'en prie. Pas de problème, maman. D'accord. Je reviens bientôt. Oui. Merci. D'accord, merci. Son mariage ne marche pas ces derniers temps. Il a des problèmes dans son mariage. Quand c'est elle qui a apporté la honte dans cette famille, la façon dont notre histoire a été documentée, celle que je connais de A à Z, il n'y a jamais eu une femme qui a atteint ce niveau, ce haut niveau d'abomination. Ça a commencé avec Kassi. Et je n'arrêterai jamais d'en parler. Mike, s'il te plaît, c'était oh. pas un hein, temps. Va-tu mais... te taire Arrête Je dis, arrête, arrête, arrête de soutenir ces bêtises. Parmi tous les rapports que nous avons eus sur ce qui s'était passé, y a-t-il un seul qui laisse entendre qu'elle a été forcée Hein Kassi Sochoko a laissé la maison de son mari. Elle a conduit jusqu'à. Jusqu'à la maison de ces jeunes hommes. Elle s'est offerte là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Y a-t-il un rapport qui dit qu'on lui avait placé une corde sur son cou et l'amener par force là-bas? Elle est partie là-bas elle-même. Te voilà en train de justifier les bêtises qu'elle a commises. On On Écoute. Il n'y a qu'un seul moyen pour que le bien domine le mal. Et c'est ce que les hommes, qui sont les hommes, feront ce qu'un homme doit faire. Je suis un homme dans ce village. Et je ne permettrai jamais à personne de m'induire dans des bêtises. Je n'étais pas censé quitter. J'ai quitté aussitôt que j'ai appris ceci. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas laisser quelqu'un ruiner mon nom. Qu'est-ce que Pourquoi? La femme de quelqu'un et tu essaies de la couvrir. Je ne vais jamais la couvrir. Qu'est-ce que tu racontes Tu sais quoi Pour je avoir à manger euh, Oui, non, j'ai préparé la soupe avec gnavo. bien

Bien, maman, ce n'est pas ce pourquoi je suis ici. Ce n'est pas ce pourquoi je suis ici, maman. Je t'en prie. Et tu sais que ce n'est pas totalement de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Et quel que soit ce que j'ai fait pour paraître comme le victime, maman, la vérité est encore peinte sur mon visage. Euh, maman, c'est la vérité. Je, je... C'est la vérité, maman. Tu connais la vérité, non Tu connais Qu'est-ce que tu essaies de dire Maman, ce que j'essaie de dire est que... Je veux dire, ce n'est pas de sa faute. Nous deux savons, tous les deux, nous savons. Nous connaissons très bien le secret que nous gardons, ma femme. Maman, tu sais que je ne puis donner d'enfant. Nous le savons. Donc, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ta propre faute. J'ai été infidèle de, de ne pas lui avoir dit que, que c'était mon problème. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire puisqu'elle est ma femme. Mais je ne lui ai pas dit. Donc, ce n'est pas de sa faute. Pourquoi fais-tu comme si c'était ta faute Le fait de ne pas avoir d'enfant. Maman, c'est de ma faute. Nous savons que tu avais connu un accident quand tu étais petit. C'est pas du tout de ta faute. Ah, mais j'aurais dû lui dire. Elle aurait dû euh, que, que, connaître ce, ce secret. Elle aurait dû le savoir. J'aurais dû lui dire la vérité. Je n'ai pas cessé de la blâmer. Maman, regarde, pas, ça fait déjà deux ans. Nous sommes mariés il y a deux ans de cela et je n'ai même pas pu enceinte ma propre femme. Mais j'ai voyagé pour deux semaines. Juste deux semaines. Donc, c'est que je n'ai pas pu faire en deux ans, un autre homme l'a fait en deux semaines. C'est pour cette raison que tu dois oublier cette fille qui t'a trompé. Tu n'as voyagé que pour deux semaines et elle n'a pas hésité d'aller se livrer à un autre homme. Maman, elle n'a pas qu'écarter ses jambes. Elle n'a pas fait qu'écarter ses jambes. La vérité, c'est que nous avions un problème bien avant que je ne voyage. Richard, peu importe le problème. Cela ne lui donne pas le droit d'aller coucher avec un autre. Il n'y a pas d'excuse pour l'infidélité. L'infidélité est très mauvaise. Il n'y a pas d'excuse. Maman, j'aime ma femme. Et je veux qu'elle revienne à moi. Mmh. Écoute, je sais que ce café Kossi est mauvais. Mais le fait que Richard lui a ravi tout ce qu'il a vu, c'est pas juste. Y compris la voiture qu'il lui avait offerte le jour de son anniversaire. Allez, c'est pas juste. C'est vraiment injuste. Mais chérie, tu t'attendais à ce qu'il agisse comment? Je veux dire, ça brise le cœur du fait que... Ta femme ne t'a pas seulement trompée, mais elle en est aussi tombée enceinte. Je ne cesse de me demander qu'est-ce qui l'aurait poussée à commettre un tel acte. Oh, Peut-être que son mari ne la satisfait pas entièrement. Oh tiens donc chérie, ce n'est pas possible. Je connais Richard. Il est mon ami. Richard sait très bien comment satisfaire les désirs de sa femme. Vraiment? Et tu crois vraiment que tu les connais assez? Bien sûr que je les connais très bien. Ce qui m'intrigue, ça a duré combien de temps cette liaison de pour la conduire à une grossesse? La réalité est que ça n'a jamais été le cas. C'est juste une nuit de plaisir qui lui a causé tous ces problèmes. Es-tu en train de dire. Que c'est la toute première fois qu'elle a fait ça Oui. Comment es-tu si certaine As-tu par hasard oublié que c'est ma meilleure amie Je la connais très bien. Oh. J'ai vraiment pitié d'elle. Euh. Salut. Salut ma chère, comment vas-tu je vais bien, merci. Ah, c'est bien. <laughs> Est-ce que maman est là? Ah non, elle n'est pas là. Tu es venu la voir? Pas du tout. Ok. Je suis venue te voir. Oh, moi? Mm -hmm. ah, ok. Bon. Ah, ah qu'est-ce que c'est que ça encore? Je l'ai préparé pour toi. C'est au quoi? Au quoi? Wow! Oh. <laughs> J'adore au <Okua>. quoi? <laughs> Je suis ah, contente. Oui. Oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. As tu ah, aimé bien que... sûr, je vais adorer cette nourriture. <laughs> ça a l'air très, très bon. <laughs> wow, 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 merci infiniment, merci. J'ai spécialement préparé ça pour toi. Non, merci infiniment, merci. Et... Je... Je voudrais te poser une question. Vas-tu bientôt rentrer à la cité Oh, oui, oui, oui. Actuellement, je suis venu pour... Euh... Maman, euh, euh, tu vois, au en fait, nous sommes censés rentrer en ville le week-end, ce week-end même. Ah, si rapidement! Qu'y a-t-il? Tu n'as plus l'air heureux, ça te pose un problème? Qu'y a-t-il? Écoute, j'avais vraiment envie de te voir. Je... Je t'aime. Comment ça a été ah, Maman, ce n'était pas si mauvais. Mais ça n'a pas marché de la façon dont je voulais. Comment Il a apprécié la nourriture que j'avais apportée pour lui. Mm -hmm. Il m'a dit de bonnes choses. Mais... Il n'a pas répondu à tes attentes. Non, maman. Ah. Non, maman. Ah. Il ne l'a pas fait. Mon plus grand problème maintenant est qu'il va aller à la cité avec sa mère à la fin de cette semaine. Ça... C'est ça mon problème, ah. maman. Tu sais quoi? Nous ne devons pas acheter l'éponge. Si seulement tu peux réussir à le rendre fan de toi, ça sera une bonne chose pour nous. Ne penses-tu pas? C'est vrai. Mmh. Je le pense, maman. C'est oui, vrai. vrai. Je crois que c'est ça. Mmh. Dans ce cas, j'irai là-bas demain. C'est mieux. Je veux voir ce que je veux faire. Oui, puisque nous ne devons pas perdre cette opportunité de devenir riche. bam. Bah, bah. hein? On ne peut <laughs> pas. Tu sais, non? L'affaire d'Abuja. Maman. <laughs> ne va pas là-bas, oh. J'en ai hâte. Aller à Abuja. Maman, mmh. tu aimes au bien Abuja cette à vie de village, ma fille. Ah, vraiment. <laughs> tu ne passeras pas le restant de ta vie au village, ma fille. C'est vrai que Kiro était ici le bâtard <coughs> Oui, oui, oui. Elle est venue ici. Est-ce qu'elle est jolie? Absolument, je le sais. Et aussi une vraie bosseuse. <coughs> Maman, je sais où cette farce va nous amener. Je ne suis pas prêt pour cela. Maintenant, je t'en prie. Pourquoi tu refuses les changements, mon fils? Maman, je t'ai dit ce que je voulais. Et cela est totalement inacceptable pour moi. Tu as besoin d'une fille bien éduquée et qui répond à ces critères. Maman, Cossi est très bien éduquée. Jusqu'à jusqu quand, Richard? Quoi? Pourquoi essaies tu de défendre une femme qui t'a trompé? Une femme qui a mis à la poubelle le lien du mariage, une femme qui t'a trompé elle est allée voir ailleurs, pourquoi est-ce que tu la défends? Maman, je t'en prie. Je t'en prie, maman. Pouvons-nous oublier cette discussion rien que pour l'instant? Je t'en prie. D'accord. De quoi d'autre veux-tu qu'on parle? Si c'est pas parler du sujet qui t'a ramené à la maison. Mais maman, tu ne fais que dire le contraire de ce que mes oreilles veulent entendre. Vraiment? Oui. Ok. Maman, m'as-tu appelé? Que penses-tu faire? Que veux-tu dire, maman? C'était quoi tout ça? Euh, maman, c'était juste. Tu faisais juste quoi? Écoute, je ne suis pas un bébé. Oh. Je sais que c'est à propos de Richard. Regarde-là. Euh, maman? Je n'arrive pas à me contrôler. Tu peux plus contrôler quoi eh, Maman, tu sais que je me suis vue dans le rêve avec Richard. Et bon. Oui, maman. Eh? On était ensemble. Mmh. Et puis, Richard m'a dit qu'il m'aime. Eh, 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 Et je lui ai répondu que je l'aime oh, aussi. Hein? Bah, 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 bah. Eh? dans les rêves eh, oui, oui. Eh? Parle-moi, non On s'est embrassé. Oh, oh! Embrasser. Oui, oh. maman mmh. Maman, il était très okay. bon, hein C'est pourquoi je t'encourage à faire tout ce que tu veux pour qu'il soit à toi. Mais hey, maman, Écoute, je ne manquerai pas, oh. Tu dois ramener ces bisous dans la réalité, hein Tu me comprends Ramène cette bise dans la réalité, hein hmm? Nous sommes prêts à réaliser notre projet. Oui hey. hey, <laughs> maman c'est la meilleure! <laughs> Comment ça va marcher? J'espère! Enke, okay. Eke! Okay. Eke! Okay. Enke, okay, s'il te plaît! On y est bouchi, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ne peux-tu pas m'appeler seulement Bouchi? C'est quoi ça? N'est-ce pas que tu t'appelles Onye Bouti? Pourquoi dois-je t'appeler Bouti? Pour quelle couronne? Ne peux-tu pas être romantique, même une hey, fois? mon Dieu! Hé hey, mon Dieu! Aussi. Je, je t'aime de tout mon cœur. Tu es la seule fille que j'aime sincèrement dans ce village. Je n'ai pas de petite amie. J'attends quelqu'un de spécial dans ma vie. Et c'est toi. S'il te plaît, donne-moi cette chance, s'il te plaît. S'il hum. te plaît. Non! Ouais. Euh, Fais-moi une faveur, oh! Je ferai n'importe quoi pour toi, bien. je te jure. très bien. Ngono, ouvre ta bouche. Hmm? Oh, montre-moi tes dents. Je ne comprends euh, pas. Montre-moi tes dents. Mmh. Mmh. Ah! Mmh. C'est ça le problème. Comment Ton problème est que tu n'as même pas lavé ta bouche aujourd'hui. Je t'entends de me demander d'où provenait l'odeur que je t'entends sentir ici. C'est de toi. Va vite brosser tes dents, hein, s'il te plaît. Vas-y. Hum? Oh. Hum. Va brosser. Hum. Mon Dieu, ça sent mauvais. Hum. 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 Hum, 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 hum. Moi. Mon Dieu. L'amour est bizarre. Inke, hein? si j'ose encore t'arrêter en route, là je suis malade. Attends, tu vas manger, Hum. Mmh. Mmh. As-tu aimé mmh? As-tu aimé Oui, c'est très, très bon. Mmh, mmh, mmh. <laughs> Tiens, avance. Qu'est-ce qu'il y a Je suis désolée. Pourquoi Ça n'aurait pas dû arriver. Oh, ne me dis pas ça, s'il te plaît. J'en ai besoin. Mais je ne veux pas que cela arrive. Je t'en prie. Que, que ce soit la première et la dernière fois qu'une telle chose n'arrive. Pourquoi Tu le sais très bien que j'ai une femme. Bien sûr. J'aime énormément ma femme. Et je veux qu'elle revienne. Arrête de pleurer, ma fille. Essuie tes larmes. Mmh, ça va aller. Ok Allez, apaise-toi. Dieu est toujours sur son trône. Il n'y est pas, maman. Ah ah. Il n'y est pas. Ah ah. Si seulement il était assis sur le trône, ça n'allait pas marcher de la sorte. Allez, ça va aller. Il nous enverra certainement un autre homme. C'est là où nous étions. Maman, je ne veux ça pas d'un autre homme. Ça va. Maman, je l'aime. Je sais. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas sais. Ne suis-je pas belle ah, Belle, tu dis quoi Tu es extrêmement belle. Hein? Tu es très belle. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute que les chercheurs sont stupide et aveugle pour que ne voit pas ta beauté. D'ailleurs, je ne veux même plus de cette Abuja. Je ne veux plus de ça. Non non, je ne veux plus de ça. Je rêve maintenant de Londres. Maintenant, c'est Londres que nous visons. Comment Bientôt ça sera le fête de fin d'année. Encore un peu de temps, la communauté de la diaspora viendra fêter ici. Tu te trouveras un chéri qui vient de Londres ou peut-être de l'Amérique. Nous allons voyager à Londres et nous mangerons de pommes de terre. Ne pas de Richard. Allez, ma fille. Maman. Oublie-le. Richard est très stupide. Ne pense même plus à lui. Insensé de Richard. Il s'imprime même pour qui N'importe quoi. Maman. sottise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te voir. Pourquoi? Je ne t'ai pas dit que j'avais besoin de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pars de la maison de mon père. Désolé, je ne peux pas partir. Je vais prendre la responsabilité de mon enfant. De quoi parles-tu? Mm. Vas-tu me les cacher? Je sais que j'en suis le responsable. Et tu sais également que j'en suis le responsable. Ah, ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Desmond, que fais-tu ici chez moi? Bonjour, maman. Je suis venu voir ma femme et mon bébé qui va naître. Je ne lui ai pas informé. Alors, qui l'a fait Tricia m'en a parlé. Elle m'a tout raconté. Voilà pourquoi je suis venu, maman. S'il te plaît, donne-moi la chance de prendre la responsabilité de mon propre enfant. Tu ne prendras pas la responsabilité de l'enfant d'un autre homme. Que veux-tu dire Je crois que tu n'as pas oublié que je suis la femme d'autrui et ma dot versée est toujours en fonction, en justice et traditionnellement, et cet enfant lui appartient. Écoute, je ne vais jamais, je répète, je ne vais jamais laisser un autre homme être le père de mon fils. Mmh. Jamais. Écoute, Dieu nous donne une autre chance. Profitons-en. Même s'il faudrait que je rembourse la dot, je le ferai rien que pour être avec toi. S'il te plaît. Sais-tu que tu es malade? Excuse-moi? Il n'y a pas à t'excuser. Après avoir gâché le mariage de ma sœur, tu as encore les kilos de venir te présenter jusqu'ici pour venir réclamer tes œuvres maléfiques? Écoute, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de détruire son mariage. S'il vous plaît. Personne. Tes maudites excuses n'intéressent personne, monsieur. Alors, il serait mieux que tu dégages de la parcelle de mon père. bien écouté ce qu'elle a dit. Dégage. Ah, ah. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Père, voici Desmond. L'homme responsable de ton malheur. Qu'est-ce que tu fous dans cette maison, bonjour monsieur. Monsieur, pour commencer, je, je, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu être la cause de son malheur. J'aime votre fille. J'aimerais avoir la chance de prendre la responsabilité. Garde non. tes excuses pour toi. Tu as le courage de venir dans cette parcelle On peut arranger Très ça. Très bien. Je veux juste qu'on arrange les choses. Pars. Tu ne pars pas. Tu es toujours là. Où va-t-on <laughs> Tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver s'il sort ici et qu'il te trouve là. s'il te plaît, retire toi d'ici. Pars. Va-t'en. J'irai, mais je serai certainement de retour. Cet enfant est mien. Il m'appartient. Je prendrai la responsabilité de mon enfant. Oui, Vas-y. Mon ami, pars. Ça, c'est mon bébé et je vais rentrer pour lui. Pars. C'est pour ton bien. Où est-il? Où est-il? Hey, est-il? s'il hey, oh, te plaît! Hey, laissez-moi! je te laissez-moi lui apprendre une leçon. Il devait rester là. Bico, vous, auriez devait rester là. Bico, vous auriez calme dû me laisser lui, lui montrer Bico. de quel bois je me chauffe. Je ne peux pas croire ça. La chenille pense que puisqu'elle a plusieurs pattes, elle peut ainsi défier l'éléphant à un combat. Ça suffit. Pas dans cette maison. Il ne va plus revenir ici, non? Il ne va plus revenir. Cherchant à trouver une solution à la mienne. Hey. Hey. Pardon. hein nah, yeah. C'est ça en fait la situation. Cosi est encore ici. Euh, tu sais, Philippe, écoute. Comme un homme qui comprend parfaitement les coutumes et traditions de notre village. Ça, ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Je suis désolé. Tu n'as pas dit ni fait ce que j'attendais de toi. Tu me déçois. Je, je ne comprends pas pourquoi tu me blâmes. Qu'est-ce que tu veux dire Philippe, c'est toi qui détruis ses enfants. Ce que ta fille a fait est un tabou. Et un homme de ton rang devrait ouvrir sa bouche et les reconnaître. Je ne peux pas me mettre ici avec toi et essayer de ne pas condamner ta fille, qu'elle n'est pas responsable pour les crimes qu'elle a commis. C'est ce que tu es censé faire. Je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas. Oui, euh, je sais que Kossi, ma fille, en a aussi pour euh, son compte et tout. Hmm. Mais euh, qu'en est-il de l'homme? Quel homme? Qui l'avait aussi emmené dans son lit? Rectification. Aucun homme ne l'a emmené au lit. C'est ta fille elle-même qui est allée chez ce jeune homme. Où le crime a été commis? Tu devrais être capable d'ouvrir ta bouche et dire la vérité. On l'a amené. Qui l'a amené? Tu penses vraiment que si elle n'était pas allée là-bas, est-ce que ces crimes abominables seraient commis aujourd'hui Dis-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne blâmes pas ta fille. Pourquoi ne la considères-tu pas comme responsable pour ces crimes Pourquoi Mais elle est encore là maintenant. Que 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 puis-je faire Philippe, le moment est venu pour ta fille de faire ce qu'il faut. Et si tu la laisses à sa propre merci, elle ne le fera pas. Quelqu'un doit la forcer pour faire cette chose et c'est toi. Quand si cet endroit n'est pas le sien, elle doit rentrer chez son mari. Malgré tout ceci, malgré les circonstances qui entourent cette affaire, elle doit toujours rentrer chez son mari. C'est d'où elle appartient. OK. Veux-tu qu'elle vienne te voir Venir me voir pourquoi Pour qu'on pour qu commence à l'encourager Pour supporter les bêtises Écoute, nous sommes des hommes. Et les hommes qui sont hommes devraient regarder le tabou et appeler tabou tabou parce que c'est un tabou. Et ça, c'est un tabou. On ne peut pas appeler tabou quelque chose d'autre. Je ne ferai jamais partie de l'école qui appellera les tabous par un autre nom. Le tabou est tabou. Et ce que ta fille a commis est un tabou. Hmm. Ça c'est vraiment difficile pour hey, moi. Eh, hey, hey. je, je n'aime pas quand tu dis ça. Ce n'est pas difficile. C'est toi qui les rends difficiles. Tu peux décider maintenant de faire ce qui est juste et tu le feras. Si tu continues à les voir difficiles, rien ne sera fait et tes enfants continueront à devenir. Je n'aimerais pas le dire. <laughs> c'est bien, mon frère. Je pense que j'étais bien entendu. Alors, euh, merci beaucoup. En tout cas, je t'ai entendu et je vais faire un effort pour. Euh, Faire ce que je dois faire. Ougodia... Euh, eh, hey, hey, eh, hey. eh. Peux-tu juste aller commencer la procédure Ok. Ok. Très bien. Je t'ai entendu. Qui est là Qui est dans cette maison mais, mais qui est-ce uh -huh. Non, mais... Pourquoi oh, pourquoi Dieu merci me porte comme un bandit. Dieu merci, je t'ai rencontré. Te voilà enfin. Je m'appelle Desmond, le père du bébé que ton ex-femme porte. Oh, oh. Ok, maintenant je me souviens de toi. Je crois que nous sommes déjà vus dans une boutique de ma femme, et voilà pourquoi... Hé, hey, est... hey, hey. Et je me souviens de cette question. Écoute, je ne suis pas ici pour me faire identifier. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste venu te demander et savoir quand est-ce que tu seras prêt pour venir récupérer la dot que tu as payée pour elle. Simple. Hey, comme ça, je vais la prendre comme ma femme. Tu sens. Es-tu encore le culot de venir à ma porte pour commencer à aboyer comme un chien enragé As-tu touché à ma femme Hein Ok. Je ne suis pas venu ici te combattre. Bien. Non. Mais juste rappelle-toi. Hein. Tu as chassé cette femme de ta maison. Donc, c'est clair que tu ne veux pas d'elle. Je suis juste venu reprendre ce que toi m'avais volé il y a quelques années. Voilà ce que je suis venu faire. Donne-moi ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient. C'est vrai que je l'ai chassée d'ici. Je sais que tu le sais bien. Je l'ai renvoyée chez elle. Cossi est ma femme. Et elle reste ma femme légalement. À condition que j'essaye de divorcée. Mais pour l'instant, elle est légalement mariée à moi. Donc je veux que tu restes loin d'elle dès maintenant. Jusqu'à ce que j'en finisse, ok Je vais te donner sept jours. Sept jours, et je ferai en sorte qu'elle t'oublie. Si toi, ne venez pas récupérer ta dot. Sept jours. Oh, mais oui. Sept jours. Ou que feras-tu? Ou que feras-tu Tu en as mis du temps, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils non, mais il a un négociateur stupide. Et il s'appelle Desmond. Desmond Mais qui est-il L'homme avec qui ma femme m'a trompé. Voilà. Le le, le 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 Desmond. Au fait, son ex. Quoi Tu veux dire que ces bâtard était venu jusqu'ici Que voulait-il <laughs> Maman, il veut savoir quand est-ce que je vais... Euh... Euh, récupérer ma dot à, à, afin de, de la laisser libre pour qu'il vienne l'épouser. Donc je devrais récupérer ma dot. Mmh. Tu vois de quoi je t'ai parlé C'est ça l'air plan, mon fils. Ils avaient planifié cela depuis les début. Et en plus de laisser partir comme ça, j'aurais dû lui donner un coup de poing. Un coup de poing sur son visage. Afin qu'il n'oublie jamais ce jour. C'est pas du tout important. La question est celle-ci. Quand est-ce que tu vas récupérer ta dot Quand Moi. Même pas dans mes rêves. Je ne peux même pas le faire. Même pas dans mes rêves. Que veux-tu dire par là Elle est encore ma femme. Une femme avec qui je suis légalement mariée. Ta femme Richard. Richard, c'est quoi ton problème? Maman, le truc c'est que je ne puis faire ce que tu me demandes. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. As-tu pris le temps de t'écouter? Tu veux reprendre une femme qui est enceinte d'un autre homme? Hein? Non, mais, mais maman, n'en as-tu pas marre? N'es-tu pas fatiguée d'agir comme la victime ici? Ne l'es-tu pas? J'ai mes problèmes, je le sais. Et j'ai trompé ma femme en ne lui disant pas la vérité. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne puis enceinte aucune femme. Je suis impuissant et tu le sais, maman. Je n'arrive pas à croire que ceci est vrai. L'infidélité ne peut être justifiée sous aucun prétexte. Tu ne peux justifier cela. Pareil pour la trahison. Ça ne devrait pas être justifié du tout. Maman, fais que mon mariage marche. Fais que ça marche. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. Et je l'ai trahi en ne lui disant pas la vérité. La trahison est une chose, une chose qui détruit euh, euh, un bon mariage. Sauve mon mariage. Je veux que ma femme revienne. Il ne devrait pas y avoir de justification pour moi pour, pour lui mentir. Ou de trahir cette confiance qu'elle m'a donnée. Elle a couché avec un autre homme. As-tu blessé là mon fils Et tu veux que je t'aide, mais comment Et je l'ai trahi. En ne lui faisant pas savoir que j'étais impuissant. L'infidélité n'a pas d'excuse. Pas de raison pour trahir non plus. Nous sommes en train de parler de l'infidélité. Je l'ai trahi. C'est mauvais, l'infidélité mauvaise. C'est un péché devant Dieu. Et les hommes, tu ne les sais pas Je n'ai pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous êtes en train de me cacher, toutes deux <laughs> Qu'aussi Je suis sur le point de dire quelque chose qui pourrait te mettre hors de toi. <rire> Sérieux <laughs> Qu'y a-t-il de pire que ma situation actuelle Hum. T'inquiète, tu peux parler. Ça va. Juste dis-le. Euh. Ah. Ah. Ton cher mari est impuissant. C'est impossible, il ne peut avoir d'enfants. Je veux dire, c'est Bobby qui m'a fait inconsciemment cette confession. Oui, Kossi. Tu vois? C'est ton mari qui a le problème dans votre mariage. Le problème est que c'était tellement rapidement entre toi et ton ex. Ce n'est pas que nous avons voulu que cette situation t'arrive, oh, mais ce n'est pas bien de garder ce genre de secrets. Ahem. Uh Kossi? -huh. Kossi? Ah. arrêtez Arrête de dire c'est pour ça que je ne voulais pas t'en parler. On devait le faire, non, hein? Oh. Hum. Hum. En tout cas, je n'en reviens pas. Ce Richard t'a maltraité comme si c'était toi la, 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 la sorcière. Maman, en tout cas, je n'en reviens pas. Je veux dire, comment est-ce que Richard peut manquer la considération? Et puis il proclame qu'il l'aime. Comment? Richard est vraiment méchant. Il savait qu'il était impuissant, mais il s'est permis d'épouser ma fille pour la rendre malheureuse. Hey! Richard, Richard, allez, Kossi, arrête de pleurer, Richard, arrête, Kossi, Kossi, arrête de pleurer, arrête de pleurer, oh, écoute ce que tes amis te disent, je t'en prie, hein, maintenant que tu as compris le secret que ton mari gardait, il est maintenant temps d'enlever tout ce qui était comme souci pour que tu commences maintenant ta vie normalement, ma fille. Sérieux, hein? c'est ce que tu dois faire. C'est hein? ça. Grande sœur, ça va aller. Va prendre les médicaments Maman. de ta sœur, ok? Oh. D'accord. Aussi. Ah, ça suffit, non? Mmh. Mmh. Ça va aller, ma fille. Arrête de pleurer. Mmh. Mmh. Et... Mmh. Aussi, ça suffit, non Arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolé. Je. Je veux que tu reviennes. J'ai cru que tu es venu me confesser que tu étais incapable de me donner un enfant. Je suis désolé que tu l'aies appris ainsi. Je suis désolé, je comptais te le dire avant et. Mais ça. Tu comptais? Tu comptais Après les deux bonnes années que je suis restée avec toi, tu comptais me parler de ça Alors voilà. J'étais en train de me condamner, me culpabiliser pour rien, ne sachant pas que c'est toi qui étais le diable déguisé en ange de lumières. Je suis désolée. Euh, C'est pourquoi je suis venu te demander pardon af afin que tu me reviennes. Tu veux que je te revienne Oui. Je me souviens encore de ton dernier mot, entre guillemets. Tu es morte pour moi. Comment t'attends-tu à une femme morte de revenir Je suis désolée d'avoir dit cela. Et je... Euh, désolée, je, je retire ces paroles. Je les ai dites sous les effets de la colère. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi et reviens. Richard, Richard, s'il te plaît. Pars de chez moi, je ne vais pas t'insulter. Mmh, mmh. Tu l'as entendu. Pars pour du bon. Je dis pars. Ok, tu es toujours là. Attends-moi, j'arrive. Euh, 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 ne pars pas. Reviens, reviens. Espèce d'un insensé. Reviens encore ici. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu veux venir ici pour faire tes bêtises, hein? N'importe quoi. Reviens encore ici. Ne le suis pas. Hein? Ça va, maman. Ma fille, s'il te plaît, ne le suis pas, oh mm. N'importe quoi. Il n'a même pas honte, hein? Ah, Don Richard n'était pas du tout un homme. L'idiot était en train de se cacher sous la couverture d'un homme. Juste pour humilier ma fille. Ah, J'aurais dû être là quand il était venu ici, vraiment. Un enfant. Qui n'arrive pas à identifier un serpent empoisonné, le confondrait avec une corde qui sert à lier les bois. Nani, Richard et sa mère nous ont déçus. Maman, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. C'est à ton père de répondre à cette question. En oh, ce qui me concerne, ne viendrait pas de papa. Nous sommes déjà âgés. Et l'époque où les parents décidaient surtout concernant la vie de leurs enfants est révolue. Est-ce que je n'ai pas raison Prudente, maman. Oh. Kossi, je t'en prie, pardonne-moi. Kossi, je t'en prie. Kossi, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi. Ah. Cosi, je ne puis vivre sans toi. Je ne peux pas. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance et laisse-moi. Laisse-moi vivre ma vie en priant chaque jour pour mes péchés. Je t'en prie, reviens. Donne-moi une seconde chance. Cosi, je. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Que fais-tu ici? Elle est ma femme et j'ai le droit de venir voir ma femme. Mais elle porte mon bébé tel qu'elle est là. Cet enfant est mien, tu devrais le savoir. Tu es vraiment stupide pour dire ça. Je vois que tu ne connais pas ce qu'on appelle culture ainsi que tradition. Alors laisse-moi bien le décrire dans. 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 dans ce cerveau que tu as là. redis et j'en finis avec toi maintenant. Ouais, j'aimerais bien voir ça. T'es malade. Attends, tu vas voir. Je vais te voir, Qu'est-ce qui se passe ici? Richard! Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez assez insulté cette famille. Et je dois mettre un terme à ça tout de suite. Oui, Richard. Monsieur. Tu as trahi et menti ma famille. Desmond, tu as ruiné le mariage de ma fille. Oui, et je dois mettre un terme. Laissez-moi, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi en finir. Laissez-moi en finir avec eux. Qu'est-ce qu'il est Non, ils ne peuvent pas faire ça. Non, Doucement, ils ne peuvent pas continuer ainsi. Ne fais pas comme ça, Né. S'il te plaît, ne fais pas ça. Naï, je t'en supplie. Naï, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Naï. Allons à l'intérieur. 嗯嗯嗯。Nay. Je sais que tu es en colère. Et nous tous, nous sommes de même avis. S'il te plaît, ne permets pas tes émotions de te contrôler. Je ne vais pas perdre quelqu'un dans cette affaire, s'il te plaît, Naï. Je t'en prie. Mmh. Ogodia. Oh Nye. Tu as dit que tu as fait un rêve. Où je t'ai tué. Oui. Mais c'était un accident. Tu voulais tirer deux hommes inconnus. Et lorsque je suis sortie pour te stopper, directement, je me suis réveillée. Je n'avais pas compris. S'il te plaît, Naï. Ne permets pas que les esprits méchants te possèdent comme dans mon rêve. Parce que mes rêves finissent par se réaliser, s'il te plaît. Biko. Mmh. Mon Dieu ne laissera pas cela se produire. Amen. Ça n'arrivera pas. Amen, Nani. Hey. Pouvez-vous imaginer ça, les gars Ce bâtard a eu le culot de me frapper. De se battre avec moi en présence de tout le monde. Imaginez un peu ce sale bâtard. Ce fou Ce fou a eu le culot de me frapper, moi, 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 Richard. Oh, bien, ok. Ah ah, c'est devenu sérieux. Avec ce que tu viens de dire, ce garçon veut vraiment te ravir. Ce sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine. Bien. Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine. Et non, je ne le ferai pas. Kossi est ma femme. Et elle continue d'être ma femme. Et même son père très méchant ne peut le changer. Non. Personne ne le peut. Tu sais, je te demanderai de te calmer. Et d'être très prudent. Ce gars-là doit être désespéré. Et le désespoir peut conduire à des actes très dangereux. Sois prudent. Eh bien, qu'il le fasse. Nuel, laisse-le poser ses actes. Je l'attends. Je suis là. Je l'attends. Tout être humain, ça vous devez le savoir. Tout être humain a une tendance irrationnelle. Tout être humain. Alors, laissez-le faire. Je ne le fouillerai pas. Je suis là. Je l'attends. Je n'hésiterai pas de lui montrer. Qui est-ce que je suis? Laissez-le venir. Fou. Euh, je pense qu'on pas plus parler du père de Cossi. C'est ça. Tu as dit que cet homme était sur le point de te tuer. Mais tu n'en parles pas. Non, non, tout père. Tout père qui s'inquiète sincèrement pour ses propres enfants agirait de la même manière que mon beau-père a agi. C'est tout à fait normal. Ah. Euh, Serais-tu ici en train de les défendre si tu avais mis une balle dans la cervelle? Il ne peut pas et il ne le fera pas. Je le connais, je connais mon beau-père et je sais ce qu'il peut faire alors je sais qu'il ne peut le faire. J'accepte que tu connaissais ton beau-père, mais je ne suis pas tellement sûr que tu connais le monsieur actuel qui est possédé par la colère contre toi <laughs> Tu vois cet homme-là est en colère, et je te le répète encore. Sois prudent. Vas-y, Molo Molo. Ok? Non, laissez-le venir d'abord. Je suis affamé. Et en colère. Et je si je te dis que tu m'as déçu, je serai très gentil envers toi. Tu m'as choqué. Pourquoi as-tu tiré cette balle Pourquoi l'avoir fait Voilà ce que j'attendais de toi. Tu devrais dire à ta fille qu'elle qu a déçu toute la famille en faisant ce qu'elle a fait. Tu ne l'as pas fait. Par contre, tu es allé dire à ces jeunes hommes qu'ils ont déçu ta fille. Comment Comment ont-ils déçu ta fille euh, Mon frère. Le sujet est encore beaucoup plus compliqué que ça. Hein? Je sais, euh, nous savons que notre fille Kossi est responsable dans sa part. Mais si tu analyses très bien les choses, les hommes aussi, et surtout Richard, regarde Richard, son mari, hein? l'a trompé et menti pendant plus de deux ans. Deux ans et demi. Deux ans et demi, qu'il était impuissant. Tu as fini Et Desmond, le les, les, les jeune homme en question dans, dans cette affaire, il est prêt, tu vois, à promettre la dot et faire tout. Si seulement Richard est d'accord. Pour qu'il prenne, tu vois, nous parlons déjà d'une grossesse. Et tu, tu, hein tu, 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 tu l'encourages. C'est ça le non, problème. Non, sérieux, tu l'encourages. Par moment, hein, quand tu commences à parler, je me demande quel genre de nourriture on t'a servi. Sérieux tu as mangé quelque chose qui n'arrive pas à faire fonctionner ton cerveau Où est-ce que cela s'est fait Un homme qui a épousé une femme et te voilà en train de chercher à découvrir à qui appartient cet enfant. Ça, c'est quelle façon de faire les choses Bon, lorsque ta femme a découvert que euh, cet homme-là était incapable de l'engrosser, qu'a-t-elle fait Ne devrait-elle pas trouver une solution pour sa famille pour voir s'il n'y a pas un autre moyen pour qu'elle tombe enceinte. Comme une bonne femme. Serait-il pour la première fois que, que ça se produise Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle est allée voir ailleurs. Elle est allée commettre une abomination. Et c'est clone. Parce que selon moi, c'est un clone. Ce clone essaie de venir réclamer l'enfant d'un homme. Qui a payé la dot pour la mère. Pourquoi es-tu... Pourquoi Je ne comprends pas. Écoute. Même si cette femme a tout un bataillon des enfants, aussi longtemps qu'il existe un homme qui a payé la dot pour elle, ce bataillon d'enfants appartient à cet homme. Qui que ce soit qui a contribué n'a juste offrir un enfant à cet homme. C'est ça la tradition. Même dans notre famille ici, si. essaye de sonner notre histoire, tu vas comprendre. Ça s'est déjà produit. Il y a eu certains membres de notre famille dans le passé qui étaient incapables d'engrosser des femmes, leurs épouses. Et certains arrangements ont été faits selon la convenance des hommes. Voilà la tradition. C'est comme ça que ça doit être fait. Mais ta fille ne l'a pas fait. Elle sort d'où cette histoire. Parfois, tu m'étonnes. Écoute, je ne ferai pas partie de cette équipe-là si n'importe quel homme apporte une quelconque d'autre dans cette famille. La façon dont je vais les gérer, tu ne vas pas aimer. Mon frère, c'est juste que la situation est vraiment devenue compliquée. Et tu sais, il n'y a pas de situation. Et rien n'est compliqué. C'est toi qui compliques tout ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Il ne sait même pas que notre fille n'était pas au courant de l'impuissance avant de commettre cet acte. Tu as raison. C'est quoi le problème? Mmh. C'est juste la situation dans laquelle... Il n'y a pas de situation. Il, 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 il n'y a pas de situation. C'est maintenant arrivé au point où tu ne sais plus manger. Maman, ce n'est pas ce qui me dérange actuellement. Qu'est-ce qui te dérange? Merci. Ces, ces oranges sont très sucrées. Euh, je les aime tellement. <laughs> Elles plus sont plus vraiment bon. bonnes. <laughs> J'aime les oranges sucrées. Merci. Ouais, il faut toujours consommer ces gens ah, ah. d'orange, tu vois. Car euh, à l'intérieur, il y a plein d'énergie. Tu oh. es là avec ta fille, hein. <laughs> si tu en train de causer. Planifiez-vous quelque chose. Non. Allez, ah, pousse là-bas, je m'assois. Ah, mais c'est tout ça? à fait normal. Ah. <laughs> oui. Oh, bien, de grave. On ne fait que contempler la vie, tu vois. <laughs> la vie est belle, tu sais. Euh... Ouais. Apparemment, papa et l'enfant ouais. ont une tu relation. Vois, je voulais juste. <laughs> maman, euh... t'es jalouse comme ça? <laughs> non, je ne suis pas jalouse. En ma fait, j'essayais de lui parler du terrain qui se trouve euh, ah vers pardon. la nouvelle route. Exactement. Oui, j'aimerais vraiment que nous puissions faire quelque chose à propos parce que. Ah ah! Je suis venue vous parler comme une mère. Qui comprend le plaintes de ses enfants. Mon fils Richard souffre. Il veut que tu reviennes. S'il te plaît, ma fille. Je t'en prie, pardonne-nous. Pitié. En tant que mère, comment allais-tu te sentir? Mets-toi à sa place. Hein? Comment allais-tu te sentir? Euh, quand tu caches une information comme ça en tant que femme. Je suis la raison pour laquelle Richard a fait cela. Il essayait à plusieurs reprises d'en parler à Kossi. Mais je l'empêchais. <laughs> femme, je veux que tu quittes cette maison tout de suite. Ouais. Tu es la raison pour laquelle je n'ai pas séparé sa tête de son cou. Hey, Nai, pitié. Pitié. J'ai une histoire à vous raconter. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Pardon. Biko, bien, 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 bien. Allez, va-t'en. Pars. Tu as maintenant une histoire à nous raconter. Hein? Après avoir couvert ton fils, va-t'en. Dégage d'ici maintenant. Pourquoi vous ne m'écoutez pas d'abord J'ai quelque chose à vous dire. Je vous en prie, laissez-moi d'abord parler. Ziwang. <laughs> Nos gens disent que euh, quand les gens boitent, le lapin, le vieux lapin saute. Je te donne cinq minutes. Pour que tu nous dises tout ce que tu as à dire. Cinq minutes pour raconter ton histoire. s'il te place. Merci. Merci. J'avais perdu mon mari suite à une maladie grave. Six mois après sa mort, il devait avoir à peu près 18 ans. Quand il jouait avec ses amis dehors, euh... Maman Richard, maman Richard, maman Richard, euh... qu'est-ce qui se passe Bonjour madame. Oh, maman, bonjour. Richard a fait une crise. Oui, Richard, Mon... Richard a fait une crise. Mon Richard, oui, oui, à Richard. Moi oui, a fait une crise. Oui, 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 oui. au moment où je où? vous parlais à l'hôpital. Madame, votre fils a connu une blessure très grave au niveau des organes génitaux. Mais docteur, qu'est-ce que vous essayez de dire cette blessure a affecté ses testicules. J'ai bien peur qu'il ne soit pas en mesure d'engrosser une femme dans le futur. Quoi? Non, docteur. S'il vous plaît, faites quelque chose, docteur, je vous en prie. Mon fils ne pourra pas vivre avec ça. Faites quelque chose. Pitié, Madame, docteur, pitié. Je ne <laughs> peux rien vous garantir. Si vous croyez au miracle, je veux dire, les interventions divines. La condition de votre fils pourrait s'améliorer. Dans l'entretemps, il est dans sa chambre maintenant. Il dort. Venez avec moi dans mon bureau. Mon Dieu. Je ne saurais supporter ça. Le père de mon enfant était mort cinq mois après. Qui est-ce que je vais blâmer pour cet incident Je ne saurais supporter ça. Le fait que mon fils n'aura pas d'enfant. Dieu, que dois-je faire Maman. Mais mon fils. Tu ne dors pas. Tu as l'air inquiet. Tu vas bien Mon fils, je vais bien. Comment te sens-tu Un peu mieux. Je sens quelques douleurs ici, mais à part cela, je sens que je vais bien. Pour ta guérison, tu dois prendre tes médicaments tout le jour, mon fils. Je le ferai, maman. Mais maman, oui, qu'est-ce que le docteur a dit qui m'est arrivé Mon fils, le docteur a dit que tu es convalescent. Tu dois prendre tes médicaments pour que ça renforce ton système immunitaire. Je le ferai, maman. Je prendrai mes médicaments. Ça, c'est mon petit garçon. Mais maman, arrête de m'appeler garçon, garçon, garçon. Je ne suis plus un petit garçon. Hein? Okay. Je suis un grand garçon maintenant. Ok. T'inquiète pas. Tu comprendras cela un jour. Ok. <laughs> Alors, prépose toi mon fils. Okay. D'accord, maman. Ça, c'est mon garçon. <laughs> mon fils, tu ne m'as pas dit qui était cette jolie dame. Euh, maman, elle est ma moitié. La fille dont je t'ai parlé, au fait. Je vois. La fille à qui tu as dit que tu ne pourrais vivre sans elle. Oui, maman. Pour elle, je suis prête à m'éloigner du monde. Mmh. Et je sais même que je pourrais y survivre. Hum. Ma fille. Oui, maman. Tu es la bienvenue. Merci, maman. Elle est très jolie. Oui, et très très bien éduquée. Oui. Oui. Ah, oh, allez, viens avec moi, j'aimerais te montrer quelque chose, ok D'accord, maman. Oh. Yeah. Avant, j'étais très fâchée contre lui. Mais... Richard Maman Es-tu sûre de bien vouloir épouser cette fille Oui, maman. Qu'aussi vaut beaucoup pour moi Il y a quelque chose que tu dois savoir. Dis-moi, qu'est-ce que c'est tu ne pourras jamais enceinte. Maman, je ne suis pas impuissant. J'ai peut-être eu un problème dans le passé, mais... Je ne le suis pas. Si c'est bien ce que le docteur a dit, je veux le prouver à tout le monde que je ne suis pas du tout impuissant. Et ma femme à moi va me donner des enfants. C'est ça ma prière. Que ta femme puisse te donner d'enfants, parce qu'aucune femme ne peut rester avec un homme qui est impuissant. Aucune femme, même pas Kossi, elle s'en ira dès qu'elle saura la vérité. Mon fils t'aime toujours. Il veut que tu reviennes. La raison pour laquelle t'a caché ses secrets, c'était juste parce qu'il avait peur de te perdre. Tel que je te parle maintenant. Mon fils Richard souffre. Oui. Il souffre beaucoup. En ce moment, j'ai aimé Richard. Je l'ai beaucoup aimé. Je t'ai prête à tout compromettre juste pour lui. Tout ce qu'il devait faire, c'est de me faire confiance. Je t'en prie, ma fille. Pardonne-nous pour notre ignorance. Il a besoin de toi plus que jamais. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. Allons, Wamp. Tu veux y réfléchir? Oui, papa. Oui. D'accord. Merci. Merci, ma fille. Naï. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. D'accord. Ok. Merci. Richard, s'il te plaît, calme-toi. Euh, Richard, s'il te plaît, calme-toi. Il faut que tu te calmes. Je pense que tout ira bien. Je devrais me calmer. Tu me demandes de me calmer. Je devrais me calmer alors que ce bâtard est là dehors, désespérément en train de courir après ma femme et tu veux que je me calme. Je devrais me calmer. OK. D'accord. Euh, écoute Richard. Oui, le jeune homme est désespéré. Mais pose-toi la question, frère. Quels est donc les résultats positifs que son désespoir a produit Je n'arrête toujours pas de penser que je devrais vraiment tuer ce bâtard. Je ne comprends toujours pas ce qui me retient actuellement. Je ne comprends pas ce qui me retient. Je crois que j'ai la réponse à cette question. Passer le restant de ta vie en prison, c'est ça qui te retient. Exactement. Exactement. Et après ton incarcération en prison, la même femme pour laquelle tu as commis ce crime finira par épouser un autre. C'est simple. Être violent n'a jamais été une vraie solution à un problème. S'il vous plaît. Vous devez m'aider à aller lui dire. Dites à mon fils qu'il n'a pas besoin de se battre pour quelque chose qui lui appartient. Dites-lui pour l'amour du ciel que sa femme va revenir et ses actions sont en train de m'affecter psychologiquement et je n'aime pas ça. Aidez-moi à lui faire raisonner, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maman, calmez-vous. Les cas de ta sœur m'a juste confirmé que l'amour est méchant. Et que vient faire la méchanceté de l'amour là-dedans? Desmond est traumatisé de, de l'amour qu'il a pour ta sœur. Il commence à perdre contrôle. Sinon, comment peut-il venir avec sa famille, demander en un mariage une femme d'autrui, au lieu de se couvrir le visage après les tabous qu'il a commis? Écoute, tu as raison. C'est très capital. Mon père avait dit qu'il n'était pas content de les recevoir. Mais il les avait accueillis juste par respect pour les anciens qui l'accompagnaient. Le fait de les accueillir n'était pas la faute de ton père, mais celle des membres de sa famille. Comment ils peuvent l'accompagner pour demander en mariage la main d'une femme mariée Qu'est-ce que ça veut dans la tête Tu sais, j'avais entendu l'un des s'adresser à Desmond en disant Donc Desmond, tu m'as fait venir ici pour être humilié Oh Confirmé Ils ont été déçus. Ce qui est étonnant, il a conclu qu'il devait voir la famille de Richard. Je me suis vraiment mariée. Il ne savait pas que j'étais en train de me moquer de lui. Il avait même oublié qu'il était venu avec des gens. Vraiment? Desmond. Hey. Hey. Hmm. Desmond. Ces garçons. Hmm. On y va. Ok. Mes ancêtres. Je suis venu vous offrir ceci. Vous avez toujours été bon pour moi. C'est pour cette raison que je viens vers vous chaque matin. Vous offrir ces supplications. Et ce, toujours. Un présumé fou qui habite dans la maison de son père n'est plus un fou. Je vous ai toujours offert ceci comme protection pour ma maison, ma famille. Et je sais que vous avez toujours, toujours été là pour nous. Je vous donne ceci. Pour que nous mangions ensemble, je vous offre ceci. Et je mange aussi. Je vous offre également la boisson. Ainsi que je l'ai toujours fait à nos ancêtres qui ont été là avant nous pour leur dire merci. Puisque je vous ai déjà offert, voilà, je prends aussi. Acceptez mes supplications. Je vous dis merci. Et je vous dis merci infiniment. Merci mes parents. Je sais que vous l'avez reçu. Et c'est pour cette raison que je vous remercie de l'avoir pris. Merci mes ancêtres. Soyez bénis à jamais. Et je dis merci au lycée Boloa. Asemedalo. Ifini Meni mejike. Dalona. 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 Alona. Je vous remercie pour tout vraiment. Vous avez toujours été là pour moi et ma famille. Merci d'avoir existé. Assez alors. Merci, Père. Merci, Père, pour m'avoir permis à vous offrir ceci chaque jour. Desmond, tu n'arrives tout de même pas à comprendre la gravité de l'abomination que tu as commise pour la dernière fois. Oublie cette femme. L'esprit de l'humiliation est préférable à la jalousie. Si j'étais à ta place, je n'aurais jamais accepté avoir eu une quelconque liaison avec cette femme. Et encore moins l'idée de venir dire que c'est moi le responsable de la grossesse d'une femme d'autrui. Ça ne va pas la tête ou quoi? Desmond, c'est à toi que je parle. Écoute, oncle. Je vais dire ceci juste comme tu le veux. Ça ne se fera jamais. Jamais sur cette terre un autre homme deviendra le père de mon propre enfant. Pas pour l'enfant que j'ai confirmé qu'il m'appartient. Ça ne se produira jamais, oncle. L'enfant dont on parle est également ton sang. Mon sang. Notre petit-fils. Notre lignée. J'ai déjà construit une relation très forte avec cet enfant. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, oncle, pour récupérer cet enfant. Et tu dois me soutenir. Tu devais le comprendre. Hé, hey, Desmond, s'il y a quelqu'un qui doit comprendre quelque chose ici, c'est toi. Pour l'amour de Dieu, comment peux-tu voir toutes les belles femmes célibataires qui passent dans la rue et choisir une femme d'autrui N'es-tu pas fou Desmond, n'es-tu pas fou Maintenant, regarde comment cette femme était en train de parler. Contrôle ta langue. Et tu n'étais pas en mesure d'utiliser ta langue pour compter tes dents. Bien, oncle, je ne suis pas intéressé par une autre femme. Tu vois cette femme Je vais l'épouser. Oh, bêtise Elle est ma femme. Dans tes rêves Nous parlons d'une femme avec qui j'avais une relation avant que cet idiot vienne me la voler. Et maintenant, les dieux, nos ancêtres, nos arrière-parents, notre Père céleste m'a béni avec un enfant dans le ventre de cette même femme. Et tu t'attends à ce que je la laisse partir Oh non, oncle, n'est-ce pas ridicule que tu sois contre moi dans cette affaire N'est-ce pas ridicule Desmond, il n'y a pas moyen que je te soutienne dans ça, car les coutumes et traditions de cette terre l'interdisent. Pour l'amour du ciel, oncle. Les traditions de notre terre approuvent également que nous pouvons lui retourner cette dot. Ça c'est fait. C'est très possible. Compte pas sur moi, oncle. Je Desmond sur toi. Desmond ne compte pas sur moi. Tu es dedans. Tu es dans ça avec moi, oncle. C'est ridicule, oncle. Tu es censé être de mon côté, Desmond. <laughs> L'unique et meilleure façon de résoudre les incompréhensions, c'est par la compréhension. Comprends-toi toi-même. Et donne-toi les conseils. Je m'en vais. Tu t'en vas? Je vais récupérer mon fils avec ou sans toi. Avec ou sans toi, oncle? Je le ferai. Je t'ai trouvé. Alors dis-moi, de combien as-tu besoin De combien as-tu besoin pour que tu laisses cette femme-là tranquille Dis-moi, de combien as-tu besoin Il n'y a qu'un homme fou pour courir après une femme mariée, ne comprends-tu pas cela Est-ce qu'on parle d'une femme mariée Nous parlons d'une femme que j'ai engrossée. Non, Celle mais... que tu étais incapable d'engrosser. Je n'arrête pas de me demander, moi. Sérieux, je n'arrête pas de me demander. Non mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé N'étais-tu pas assez homme pour l'épouser Oh oh j'ai oublié Tu n'avais même pas assez d'argent pour l'épouser, n'est-ce pas Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas assez. Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme, hein Tu veux savoir hein Tu veux savoir Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme J'ai engrossé ta femme Laisse-la Je suis très loin. Oui. Eh oui. Bobby, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Oui. S'il te plaît, amène-les dans notre hôpital familial. Oui, à l'hôpital Wealth Light. Je serai là, oui. C'est pour cinq heures. Non, 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 je dois venir. Je dois venir prendre soin de mon mari, s'il te plaît. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, j'ai remarqué qu'il y a un petit ajustement à côté de son organe. Je ne sais vraiment dire ce que c'est. Attendons voir les résultats des examens. N'ayez pas peur, tout ira bien. C'est comme je le disais tantôt. Nous connaîtrons le diagnostic dès que nous avons les résultats des examens. Gardons espoir et restons positifs. Ah. Voilà les résultats, docteur. Oh, C'est ça. Merci beaucoup. Ok, voyons ce que j'ai entre mes mains. Tout est normal. Mais il a besoin de se reposer. Il doit prendre beaucoup de repos. Ah, S'il te plaît, est-ce que je peux l'attendre? Je vais rentrer avec mon mari. Il doit compléter son traitement dans les deux jours qui suivent. Dans ces cas, je vous conseille d'être un peu patiente. Mais. Est-ce que cela veut dire que tout va bien Bien sûr. Êtes-vous sûr Je le suis. D'accord. Où est-ce que vous allez oh. Tu ne m'avais pas demandé ça. As-tu déjà oublié que Richard sera de retour à la maison aujourd'hui Mais comment pourrais-je oublier cela Mais tu dois te reposer, ma fille. Ces deux derniers jours ont été très stressants pour toi et tu connais ton état. <laughs> Maman, permets à ta soeur de prendre soin de toi. Maman, c'est ce que j'essaie de faire depuis, mais elle refuse de m'écouter. Uh -huh. <laughs> je suis juste enceinte, je ne suis pas malade. Tu dois Qui te a réposer? dit qu'une femme enceinte ne peut pas faire ses activités quotidiennes je sais, mais ça, c'est le premier trimestre de ta grossesse, donc tu n'as pas besoin d'être stressée. repose toi ma fille. C'est pour ton bien et celui du bébé. Ok, écoute-moi. Je vais ramener ton mari à la maison. Oh. Ah. Ok, maman, d'accord. Ah, si tu insistes, pas. ok, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. <laughs> S'il te plaît, juste mets-toi et essaye de te relaxer, ok Je veux dire, sens-toi à l'aise. Rassure-toi de bien prendre soin d'elle. Mmh, okay. Je reviens. Fais attention, maman. Ma soeur, attends que je t'apporte de l'eau. Je ne suis qu'enceinte, mon Dieu. C'est tout le monde qui me traite comme une enfant. Dans quoi me suis-je mêlé Est-ce que je l'ai tué Non, non, non. Il n'est pas mort. Mes désirs égoïstes sont en train de m'écouter, mon confort. Je me suis caché pendant plusieurs jours pour découvrir si je suis recherché ou pas. Mais je ne faisais que me battre pour ce qui me revient de droit. Après tout, c'est lui qui m'avait volé Cassie, pendant que j'étais encore en train de me battre pour ma survie. J'aime Cassie. Je l'adore. Mais je pense seulement que je n'ai pas été destiné à vivre avec elle. Pourquoi n'avais-je pas seulement écouté mon père Maintenant, je n'ai personne à qui me confier. Je ne peux même pas dire à mon père ce que je suis en train de traverser. Je dois trouver un moyen de bien faire les choses. Je ne peux pas vivre tout en sachant que la femme que j'aime le plus ne veut pas être avec moi. Seigneur, s'il te plaît, résous ces problèmes et je promets que je ne vais plus les affronter. Ils sont là. Et <laughs> hey, mon chéri est là. <laughs> Bisous. Kossi, je suis désolé pour tout, tout ce que je te fais subir. Je suis vraiment désolé, je t'en prie. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Oh non, Richard, s'il te plaît, lève-toi. Il faut pas t'en faire. Tu viens à peine de sortir de l'hôpital. Tous ces problèmes font partie de notre passé maintenant, ok? J'ai même cru que je ne te reverrai jamais. Oui, je ne supporterai pas de te perdre, s'il te plaît, Kossi. Pardonne-moi. Bon, je... Ça va, chérie. Ce qui compte maintenant, c'est notre prison. Allez, viens. Ah. Oh. Ma fille. Merci beaucoup pour avoir émis le sourire au visage de mon fils. Ah, ah. Je te remercie. Allez, maman, s'il te plaît, ne me dis pas que tu veux les rejoindre. Pardon. Non, maman, fais pas ça. S'il vous plaît, venez vous installer. Je fais une paix perso pour tout le monde. Oh, vraiment? Et je suis sûre que vous allez bien. Allez, vous tu n'étais pas obligée de faire ça. Mon amour, prend place. Nous bénissons Dieu pour la santé. Hein? Euh, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui a-t-il? Hein? Je ne sais pas trop. J'ai juste des douleurs au bas. Sérieux? J'ai très mal. Désolé, désolé. Ça va aller, ça va aller. Euh, tu es sûr que ce n'est pas ce à quoi je pense?

Bien, docteur, vous avez dit que vous vouliez nous voir. Oui. Ta femme va bien. Mais je suis désolée. Elle a perdu le bébé. Quoi? Comment? Pourquoi? Mais comment, comment, comment peut-elle perdre cette grossesse? Je, 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 je pensais que vous veniez de dire qu'elle allait bien. Toutes les grossesses sont normalement fragiles. Le stress peut causer beaucoup de problèmes. Et le cas de ta femme n'est pas différent de tout ceci. Oh Je sais de la dissuader pour ne pas faire des travaux stressants, mais elle refusait de m'écouter. Hein Je suis vraiment désolée. Hein Je suis. Voilà qui est très triste. Très triste. Docteur, j'espère qu'actuellement tout va bien. Elle va absolument bien. Dans ce cas, elle sortira de l'hôpital ce soir. Elle est maintenant en forme. Oh, Richard, tu dois être fort, mon fils. C'est comme la docteur vient de le dire. Aussi va bien. Si Dieu le veut, tu auras des enfants avec ta femme. Ok? Sois fort, mon fils, je t'en prie. S'il te plaît. Merci infiniment. Bien. Ok, ok. Elle est déjà sortie de l'hôpital? Elle est maintenant à la maison. Pas de problème. D'accord. Que tu sois louée. Je viendrai, il n'y a pas de problème. Merci. Hé, hey. Nani Ah, Ougodia. Hein? Ah, vraiment, comment tu vas? Je vais bien, oh. Quand Zidou a été libéré de l'hôpital. Ah! Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est beau hein. Dieu merci. Alors, je... Euh, je dois aller là-bas pour lui rendre visite, pour <coughs> voir euh, comment est-ce qu'elle se porte. Si tu avais dit quelque chose d'autre, j'allais être surpris. Hein? Hein? Toi et si Siso Hein? C'est une bonne chose, après tout. Aller pour leur rendre visite. <laughs> ok, laisse-moi aller préparer ta nourriture. Okay. Je dois faire pour toi une diversité de nourriture pour qu'à mon départ, tu ne sois pas dérangé. Ah. Parce que je pourrais prendre un peu de temps là-bas. Je ne prendrai pas un jour avant de revenir. <laughs> Au moins, tu sais que tu sais que je ne peux pas rester enfamé. Mais laisser enfamé n'est pas du tout une bonne idée, tu sais. Ah ah, Naeogini, qu'est-ce que tu veux dire eh bien quoi Toi qui me déranges à tout moment ici, la nuit, tu me déranges, le matin, tu me déranges, et même le soir, même si je ne te sens pas bien, tu cherches toujours à... Te <laughs> voilà encore. Te voilà encore. Hein? Si je me plains, c'est par rapport à la manière dont tu dors. C'est ça mon problème. Je ne peux plus dormir. <laughs> non, la Nico, laisse-moi tranquille, je dois aller emballer des <laughs> choses, des affaires. Hey, c'est bien. J'essaie ouais. de, de réparer ce téléphone. Oh. J'aime toujours qu'on prépare pour toi. Oh. Philippe, chez nous, on a l'habitude de dire que c'est à cause du respect. La marmite a besoin du feu. Et lorsque cette marmite est sur le feu, le feu brûle, mais la marmite ne se plaint pas. C'est également pour le respect que le feu a pour la marmite qui est sur lui, qui fait en sorte que le feu brûle, mais ne peut pas brûler la marmite. Par contre, ça couille ce qui est à l'intérieur de la marmite. Le respect doit être réciproque, si tu comprends ce que je veux dire. Ah, mon grand frère, le niveau de sagesse que tu as dans ces villages, ils sont pareils et nous sommes toujours reconnaissants de t'avoir avec nous étant aîné et père dans notre communauté merci mais je veux seulement que tu comprennes une chose je suis content je suis content que quand si notre fille est retournée chez son mari ce qui est bien mais moi j'ai prié et espère que ces vilain incidents a conduit à cette abomination ne soit plus autorisé pour que cette famille progresse. Ah ah, mon frère, qu'est-ce que tu essaies de dire Tu sais ce que je veux dire. Euh, Nous avons des filles. L'une est partie, mais l'autre est là encore. J'espère que tu vas faire asseoir celle qui est restée. Fais-la asseoir. Parle-lui apprends-lui les traditions de notre terre, qu'elle comprenne les vertus de notre communauté. et quelqu'un doit être capable d'incliquer de très fortes valeurs dans cette fille. comme ça, mon frère, tu n'auras pas à t'inquiéter lorsqu'elle va se marier demain. non. j'ai pris pour ça et je suis tellement sûr que à quoi ne nous couvrira pas de honte. Ouais. À quoi ne nous couvrira pas de honte si quelqu'un est en train de faire ce qu'il est censé faire. Mais au cas où quelqu'un n'est pas en train de faire ce qu'il est censé faire, à quoi nous couvrira de honte. Et lorsque cela arrivera, je jure, Philippe, tu ne sauras où te cacher. Il avait Oh mais ça n'arrivera pas. Oh mais mais ouais. Oh mais mais. Y a non? Oh mais ça n'arrivera pas. D'accord alors. Merci grand frère. Mm -hmm. hein. Merci. C'est bon alors. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Si tu l'as dit, c'est ça. Pas de ça. problème. C'est ça, c'est ça, ouais. Cossi. Ma chérie, j'aimerais que tu comprennes que tu as une merveilleuse vie devant toi. Peu importe ce qui t'est arrivé. Honnêtement, nous sommes désolés de tout ce qui t'est arrivé. OK? J'étais choquée lorsque m'a appelé pour m'annoncer cela. Quelle était la réaction de ton mari? Mmh. Quoi d'autre? Il est juste en train d'endurer la peine. On pouvait lire la déception sur son visage. Je suis convaincue qu'il attendait vraiment l'arrivée de cet enfant, malgré que nous l'avons perdu. Même ma belle-mère était vraiment inquiète. Perdre un enfant était très douloureux pour nous. Sincèrement, ça ne pouvait que être ainsi pour une mère qui attend un enfant. Oh, c'est vraiment triste. Très triste. Mais je prie Dieu que tout se passe très bien pour toi, ma chérie. Amen. Amen, tu iras bien. Et tout ceci restera dans les oubliettes. Ça, c'est vrai. Mmh, Donc, ma chère bien. amie, je veux que tu essuies tes larmes. Ok j'ai besoin de voir la cousine que je connais. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Ça va. Je vous offre quoi, les filles Ne oh, te dérange pas pour ça. T'inquiète. Tout ce que je veux, c'est voir la cousine que je connais. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm, ça va aller. <laughs> Je peux continuer encore et encore et connais, encore. Je te, je te connais, mec. Te connais, mec. Mmh. Oui, vas-y. Mmh. Ne t'arrête pas, mec. Non, mais quel que... hey, hey, Richard, 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 Richard Qu'est-ce que tu fais Calme-toi, mon toi, cher. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Je suis désolé. Complètement désolé. Tu si es, es désolé. Calme-toi. Tu calme t es, t es désolé. calme-toi. Mon frère. Je suis complètement désolé. Complètement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je sais que je me t'ai comporté comme un idiot. Je n'aurais pas agi de la sorte. Je, je suis vraiment désolé. Tout ce que je fais, je n'aurais pas dû le faire, frère. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis juste venu pour te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai agi de manière irrationnelle. Oui, ça, tu peux dire. le dire. Vas-y, dis-le que tu es un homme irrationnel. Dis que tu sais ça. Et pourquoi toi, es tu es en train de, de toi, parler calme lui? toi Calme-toi, Tu me toi, voulais mort. Toi. Tu me voulais mort afin que tu puisses récupérer ma femme. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas Oh non. Oui, calme-toi, calme Richard. Pourquoi parlez-vous à ce fou oh, Pourquoi êtes-vous en train de lui parler alors que je devrais me jeter sur lui Oh non, 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 mec, mais, mais calme-toi. Calme-toi, calme calme-toi, calme-toi. Calme toi, calme toi. Toi. Donc tu voulais me tuer Calme-toi, Richard, calme-toi. Écoute, Richard, s'il te plaît. Ce gars devrait couper en tôle. Je suis vraiment désolé, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, Richard, je ne pense pas qu'il est venu se battre contre toi. Pas du tout. Comme il s'est excusé, alors laisse-le laisse s'en aller, s'il te plaît. Ce, C'est chose est sûr, en train de s'excuser. Il essaie simplement de gagner du temps, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et Et est ça, pas, ça. Non, frère, attends, attends frère, attends, frère euh, pas, -toi. pas ça, toi. Tu me voulais mort afin de me voler ma famille, c'est ça Je jure, je jure devant Dieu, je jure sur tout ce qui est saint, je m'excuse du, du plus profond de mon cœur. Je suis complètement désolé. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Je jure sur la tombe de mon père. Je, je jure sur tout. Que si tu me pardonnais et que, après, j'ai eu une pensée négative contre ta famille, que je meurs. S'il te plaît. Entre hommes, s'il te plaît. Je jure. S'il te plaît, et frère. Me... Pardonne-moi. Entre hommes. Richard, je pense que ce sont des excuses très, très sincères. Oh oui. Ok, alors. Calme-toi, calme calme-toi s'il te plaît. Juste, mets-toi, mets-toi, s'il te plaît, mon cher. Prends place. Oui. Mets-toi. Hein? Mets-toi s'il te plaît, Richard. Hein? Oui. Euh, <coughs> Richard, faut te mettre. Hein? Oh voilà. Hein? Ah, okay. hein? Richard, mets-toi oui. s'il te plaît. Ah, oui. Le oui. moment est venu euh... pour faire la paix. Ok. Merci frère, merci les gars. Ok, tu peux t'en aller. Tu es un très bon homme. Hey, 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 Arrête, ne dis plus mot. Désolé, 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 c'est ce que tu ne cesses de dire, hein? J'ai beaucoup aimé. Ouais. Désolé si je n'étais pas assez bon. Ouais. Tu m'as presque. Sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me parles pas? Je n'ai rien pris du tout. Je n'ai fait que savourer le moment. C'est tout. Et je pense que j'en ai encore besoin. Ah! Non, je... Quoi? je suis fatiguée. On en attendant, on le fera autant que nous pourrons, s'il te plaît. Es-tu fatiguée? <laughs> bon, bon, je sais pas trop. <rire> 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 tu en veux encore? <laughs> Allez, ah, ah, <et> doucement. <laughs> Maman. Quoi? Quoi? Je souhaiter que tu restes encore un peu. Tu vas me manquer. Te dérange, ok? Bientôt, tu vas te fatiguer de ma présence. Mais pour l'instant, je dois d'abord rentrer au village parce que j'avais laissé ma maison sous la responsabilité d'une petite fille. Maman, promets-moi que tu reviendras bientôt. Ok, je te promets que je reviendrai bientôt. Tu t'es mm -hmm. réjouie maintenant? <laughs> ah, maman, pas de problème. Laisse-moi d'accord. D'accord, merci beaucoup. Baby, que se passe-t-il? Tu m'as pas dit que tu venais. Que se passe-t-il Vas-y, ah, dis-moi. Bébé, je suis tellement émerveillée, je n'ai pas pu rester seule. C'est pourquoi je suis venue le partager Commence d'abord par te calmer. <laughs> Et Je suis enceinte. Tu <laughs> es quoi <laughs> <laughs> Tada <laughs> 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 Wow. Merci infiniment. Oh Seigneur, je vais être parent. Nous serons bientôt des parents. Ah. Quel mm -hmm. merveilleux cadeau. Je sais. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Tu me bébé. le promets oh. Oh. Okay, doucement? Oh, doucement? Ah, oh, 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 oui, doucement. Avec beaucoup de douceur. Oui, chérie. Oh, désolé. <rire> <rire> Franchement, la vie <vieille>, oh. <laughs> ouais. est belle. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vrai. <laughs> bien, je vois que tout le monde est heureux. Et euh, c'est bien. Bien, comme. Euh, euh, les plus curieux. Uh -huh. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais demander quelle est la raison de cette euh, célébration ou uh, rencontre uh -huh. ou uh -huh. que sais-je <laughs> Ok. Pourquoi sommes-nous là <coughs> euh, Malgré tout ce qui s'est passé, euh, je suis heureux de vous informer, enfin nous, aujourd'hui que Cossy euh, et moi attendons un bébé. Waouh Wow, wow. Oh, 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 bon Dieu, oh, oh, ma oh, chérie, une bonne oh, <laughs> nouvelle. Oh. <laughs> oh. oh, merci. Oh, C'est pas vrai. <laughs> Vraiment. Merci. Cela <laughs> veut dire que nous célébrons deux choses aujourd'hui. Vraiment. Je et ne quoi, comprends quoi pas à moi. <laughs> vous savez. Depuis que j'ai rencontré cette femme, elle a été source de ma joie. Oh mon Dieu. <laughs> Tricia. Oh. S'il te plaît, veux-tu m'épouser? Ah, Seras-tu bon, la mère de mes futurs enfants? Dis oui. S'il te plaît, ah. sois ma femme. Oui, 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 j'accepte. ça. Oh, wow, c'est l'amour. Bon oh, wow. félicitations, ma chérie. Ah, merci, chérie. Mm. Ah, oh, voilà, c'est oh, bon, c'est oh, bon. Allez, calmez-vous oh, maintenant, oh, ok Calmez-vous. Oh, ah, c'est mignon. Oh, félicitations, oh, félicitations, félicitations, jeunes gens. S'il vous plaît, veuillez appeler le chef. Euh, oh, oui, appelez le chef. Ma ok. Mais tu sais que j'avais eu très peur. Tu sais ce qu'elle a fait? Non, j'en ai aucune idée. Arrête de me faire peur. <rire> <rire> mmh. <coughs> ah. Ok. Eh oh, non, c'est on a bon bon, ah, ouais, On bon. se calme. Je vous en prie, euh, permettez-moi. Tu es trop concentré à ton téléphone. Tu n'écoutes même pas. Je suis vraiment désolée, c'était mon ami. <laughs> Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? <laughs> Allez, vas-y, montre-moi. Toc, toc, il y a quelqu'un? Ah ah! Ah ah! Quelle surprise! Maman! Oui? Mais tu ne nous as pas dit que tu venais. Dès ah, que j'ai appris la nouvelle, je me suis mise en route. Je n'ai pas voulu perdre euh, le temps. Ah oh. ah! <rire> Maman! <rire> Maman! Oh. <laughs> Je ne peux pas aussi me retenir. Ah, ma fille, félicitations. Bienvenue, maman. Mon beau-fils, vous devez être vraiment costaud pour nous prendre un chat pendant ces neuf mois. Bien sûr, comme vous voudrez. Alors, montrez-nous notre chambre. Maman, il y a plusieurs pièces dans cette maison. Faites votre choix, c'est tout. Oui. Ma belle, je connais la meilleure chambre de cette maison. On devrait s'attendre Il y a plusieurs chambres. Oui, C'est par là, par là. Oh, ma chérie, oh, chère, comment, comment vas-tu vas oui. oh. <laughs> oh, mon Dieu. Aidez-les à aller monter. Oh. Ah, Ça c'est ok. Quelle maison. Je suis surprise, moi aussi. Les mamans, toujours comme ça. D'accord. Fais-le comme tu le fais d'habitude. Hein oh. Doucement, doucement, Désolé. doucement chérie, vas-y doucement. Ça va euh, aller ma fille. Doucement, Désolé. doucement chérie. Tu dois être Vas courage. Vas-y doucement, ça va aller, ça va aller. Doucement. Courage. Respire par la bouche ma fille. Euh, apporte le sac vite. Doucement. Oui, on y va. Par euh, doucement. Euh, Essaye d'avancer. Euh, S'il te plaît, ouvre la porte. Euh, euh, la porte. Respire par la bouche. Viens vite avec ça, où es-tu mm. Dis-moi ma fille qu'il te porte. Ok, c'est bon, alors avance dans ce cas. Est-ce que le fait bien hein? Désolée, désolée, ma fille. Ouvre-moi euh, bouche, je t'ai demandé de respirer Merci. par la bouche. Ah C'est quoi ça Fais euh, vite oui, avec le sac. Reste-moi la bouche. Euh, désolée. Doucement, désolée, doucement. Quoi, si. Ça va doucement. aller. Hum. ça, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, sois forte. Doucement, oui. Ça va aller, ma fille. Vas-y, doucement, doucement, ça va aller. Ouvre juste ta bouche. Bon. Oui, respire par la bouche. Ah, oui. Vas-y, voilà, ça Juliette, va aller, ma fille. Ouais. Ça va aller, Tout hein? On y Ouvre va. la bouche, respire par la bouche. Oui. Prudente. As-tu pris le sac? Hein? D'accord.